Brazil.
Bonsoir et bienvenue sur la suite de Ragnamos 6. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je sais pas ce qu'on va faire, on verra. J'ai pas du tout réfléchi, on verra. Du coup, Murdoch, le mode s'appelle The One Probe. Pour voir ce qu'il y a dans les items, enfin dans les coffres, fours, etc. En tout cas celui que j'utilise. Je sais pas si Wyla permet de le faire par contre. Clic. On est là. Ouh. On baille en même temps, c'est cool. Donc la dernière fois on avait augmenté la production ici. On fait toujours pas assez en fin de compte de fissile fuel, mais on en produit toujours constamment. Toujours pas de radiation, donc on est safe. On est safe, tout va bien. On en a combien? 15, regardez ça. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est bon ça. Plein d'antimatter pellets. Ça veut dire que là on a 430 milliards de RF sur nous. C'est beau. Toi, t'as toujours du tritium. Toi, bah t'es full de thorium. Ok. Donc bah là, y a plus rien à faire en fait. Ça va continuer à tourner tout seul. Et ça, c'est beau. Non, je suis pas dans un compact machine. Sortant. Non, j'ai pas la crève. Je suis juste fatigué. Est-ce que mes drawers sont connectés? Oui. Et un chiffre rond. Yé, gros bisous sur la fesse gauche, mon bon monsieur Magndeg. Comment ça sur la fesse gauche? Et la fesse droite alors? Qu'est-ce qu'elle a la fesse droite? Merci Cobra pour le 20e mois Prime. Merci beaucoup. Alors on va charger la zone parce que bon, ça va laguer vu qu'on vient de se co. Oh là là. Alors ça par contre c'est chiant. Parce que c'est vrai que. Regardez tous les flares qui traînent partout. C'est un peu relou ça avec Astral. En fait si on a des flares qui spawnent c'est à cause de ça, je crois. Mais on a masse flares qui spawnent. Bon au bout d'un moment elles vont... ça va mourir ça hein. Mais voilà, ça décède tout seul heureusement. Mais c'est quand même un petit peu relou. Alors je vais regarder aussi Legendary, j'en ai combien? 900, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça va faire qu'on fasse un autocraft. Ça aussi. Et puis on va devoir crafter quelques tiny anti matter rubber. Ah oui, il fallait qu'on fasse le tiny rubber. Il faut qu'on le recrafte ce truc là. Vu qu'on stocke le latex, ça posera pas trop de problèmes pour en faire. Donc revenons là dessus. On va faire ça. Ça, ça. C'est parti. Ça on l'a pas autocrafté hein. Donc on y va. Go. Donc là on est bon. On va regarder combien on a. Donc Earth, on en a 4000. Ça devrait être pas mal. Allez le jeu, charge un coup là. Voilà. Et les corps. Ouais. Bon. Ça on aura pas de problème pour les crafter hein. Ok. Next. L'insanium gemstone block. Donc gemstone, on a déjà les gemstones. On a juste à lui demander de faire les blocs. Voilà. Pas de problème. Ça c'est good. Et donc le tiny dry rubber, il faut qu'on le refasse. Donc, pour ça il va nous falloir le latex processing unit. Qui est juste là. Il va nous falloir un sink. Pour lui mettre de l'eau. Et du coup un exporteur pour lui balancer le latex. Et pour le coup je vais juste garder le buffer de 9 stacks à l'intérieur. Ça ira très bien pour le rubber, hein. J'ai pas besoin de plus. Ouais c'est tout. On va se mettre derrière. C'est qu'on va se mettre là. On va se mettre là. Ah, donc là-dedans, il y a toujours plein de saloperies. Là, j'ai toujours pas remis ma pêche. Puis je pense pas leur mettre.
D'ailleurs, je pense que je peux retirer tout ce que j'ai installé là. Hein. Ouais, je vais virer tout ça. Parce qu'au final, je réinstallerai pas la ferme à pêche. J'ai tellement d'enchantements que bon. Hop, la petite poubelle. Ah oui, j'avais bien fait les trucs. Hein. Nice. J'aime bien cette pioche qui instant mine. On va les désactiver ceux-là, comme ça on évite d'en avoir 50 millions dans le stockage. Voilà. Good, ça dégage. Basal. Smooth. Et du deep slate. Très bien. Je sais bien poser mes blocs, ça va bien se passer. Nice. Donc le latex processing unit, on va le mettre ici. On va lui prendre un exporteur là. On va prendre un bucket de latex. Donc le latex doit être par là-bas. C'est ça. Hop là. Fluide. Boom. Il n'a pas besoin d'avoir un speed upgrade ou quoi. Hein. Ça c'est suffisant. Largement suffisant. Le sink, vous savez quoi, on va le mettre derrière. Comme ça on le verra pas. Et sur le back on va faire un pool. Comme ça il récupère automatiquement le water. Et là tout ce qu'il a besoin c'est d'énergie. Donc un point. Ici caché. Et voilà, on va lui mettre des upgrades. Donc add-on. Tiens, tiens et tiens. Parfait. Et donc avec le add-on processing, il fait plusieurs tally dry rubber d'un coup. Hein. Donc ça c'est clean. C'est clean. Bonsoir à ceux qui arrivent. Creative Essence, on est en train de l'autocrafter. Enfin l'autocrafter. On va le faire. Là maintenant. Donc ça c'est fait. Ça c'est dans le stockage, donc c'est bon. Ça on en a, c'est bon. Et là il faut qu'on fasse maintenant l'endumium singularité. Donc il faut qu'on s'occupe maintenant des quantum compresseurs. Les quantum compresseurs, il va nous en falloir 81 parce qu'on a 81 singularités. Donc je vais directement les faire, ces quantum compresseurs, et on va tenter de leur trouver une place dans notre tour. Est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas, on verra. Ok, on va prendre ça. On va aller, monte, merci, on va aller au niveau d'Astral pour balancer ça comme craft. Shift click. Ouais bah écoute, tu vas faire les 15, comme ça t'en auras plein, c'est très bien. Puis au moins j'en garde un pour les EMC plus tard. Il va nous falloir la wand. Ok, et là on peut voir, il fait jour, mais on a suffisamment d'énergie astrale pour pouvoir activer ce craft. Hein. Ça on en a pas besoin, mais je vais le laisser. Et go. Nice. Des tiny antimatter rubber, on en a plein maintenant. C'est good. Comment j'ai fait pour obtenir le Magical Farmland? Comme ça. Tout bêtement. T'as la possibilité de le mettre directement au sol sans être obligé de passer par ce craft là. Mais pour les machines, Botany Pot et Garden Cloche, t'es obligé de passer par ce craft. Alors, alors. Extended. Crafting. Bon. On automatise ça. Let's go. Et il faut automatiser ça. Boum. Oh, il a enlevé le Blackstone. Tiens. Blackstone, il devrait le crafter assez vite normalement. On devrait avoir ce qu'il faut. Il y avait juste un ingrédient qu'on n'avait pas. Je crois que c'était le... Oups. C'était ça, là. Nocturnal Powder.
Hier on a voulu en crafter, on pouvait pas. Nocturnal powder, ça va se faire là-dedans. Ok. Et la coal, bah, tu vas en prendre deux. 7. Hein. Enregistré. Et l'illumination powder, est-ce qu'on en a? Est-ce que c'est autocrafté? Pas du tout. Donc on autocrafte ça aussi. Ah c'est bon. Hop. Perfect. Mets ça là-dedans et ça on va mettre dans la machine astrale. Est-ce qu'on peut descendre comme ça? Non, j'ai dû tout reboucher. Hein. Oh, quoique. J'aurais pu descendre là. Hein. Tiens. Donc, Nocturnal Powder, si je t'en demande. Genre tout ça. Ah, oh, il a tout ramené. Hein. Il a tout ramené et il va crafter gentiment. C'est un craft custom, oui. Alors, Trititi, personnellement, je trouve que Ragnamot 5 est plus réussi que Ragnamot 6. Ragnamot 6 n'est pas encore terminé, donc c'est pour ça que j'ai cet avis-là. Et je pense que tu dois avoir cet avis parce que Ragnamot 6, c'est sur la dernière version de Minecraft. Et parce qu'il y a beaucoup de nouveaux modes aussi par rapport à la 1.12 où il y avait des modes qui étaient déjà présents en 1.7. Alors. Donc le Nocturnal Powder est en train de se faire. On va devoir faire les Quantum Compressors. Donc si je t'en demande... Alors je vais sûrement pas pouvoir les faire maintenant, mais je vais regarder combien je vais en avoir besoin. En quoi qu'il peut le faire maintenant. Il a pas de problème. Pour le faire. Ah bah écoutez, go. Ah, tout craft, 244. Start, c'est pas grave. Donc, ça on va le cancel. Je vais regarder à quelle vitesse il fait le Blackstone. Est-ce qu'il est pas bloqué? Non, c'est bon. Ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est pas super super rapide. Mais ça se passe bien. Ici, au niveau de l'importeur, ouais, on va lui en mettre plus hein, quand même. Hein. On va accélérer ça. Comme ça, dès que le craft est fini, ça dégage tout de suite. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc, on remonte cet étage-là. On va devoir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et du coup 10. On va devoir mettre tout ça. C'est les quantum compresseurs, ça. On imagine que c'est les quantum compresseurs. Il faut les poser. Et il faut les poser quelque part ici pour que ça fasse joli. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On va peut-être les mettre là. Par là. Sur deux étages. Donc imaginons, on prend le Deep Slate. Ouais, je vais garder celui-là pour le moment. Je pourrais m'y prendre. Si je mets ça là, on en a 9 déjà. On pourrait en avoir 9 là. Ici, ça fait 18. Sur deux étages, 36. On pourrait avoir ça de l'autre côté. Et il nous en manquerait encore 2 fois 9. Tout en sachant que le quantum compresseur, il va falloir qu'on insère les items
Via le dessus. Alors on pourra toujours le contrôler via Xnet. Quoique le contrôler via Xnet. Comment on va se démerder avec Xnet là-dessus? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'utiliser Xnet. Parce qu'il faut aller récupérer les items dans Refine Storage. Donc il va directement les chercher dans Refine Storage les items. Donc si on veut les prendre directement de Refine Storage, il faudrait qu'on ait des exporteurs. Ouf. Ça va faire pas mal d'exporteurs. Il faut les alimenter, donc il faut des câbles d'alimentation. Et il faudra extraire ce qu'ils vont produire. Ça fait beaucoup de choses à faire. Hein. On va imaginer que ça c'est le câble d'alimentation. Que ça c'est le câble d'insertion. On n'a pas notre bloc. Et que ça c'est l'extraction. Je me demande. Normalement je pourrais utiliser un seul câble pour alimenter et extraire les items avec l'Universal Pipe de Pipez. Pour extraire l'énergie et en même temps extraire les items. Donc ça, ça peut se faire. Ouais, finalement on est un peu à l'étroit ici hein. On a peu les trois. Faut juste que je réfléchisse à comment je vais devoir poser ça. Et une fois qu'on saura, ça se passera bien. Mais pour l'instant, on sait pas. Donc ça se passe pas bien. On peut peut-être exploiter les deux étages en fait. Hein. On a deux étages. Je sais pas qu'est-ce que je mettrai ici en plus. Je sais pas s'il y a quelque chose en plus que je vais devoir mettre par rapport à ce qui est demandé. Je sais que dans tout ce qu'on a à faire sur le modpack, on n'a toujours pas commencé Pneumaticraft, qu'il faudra qu'on fasse, qu'on lui trouve une place. On n'a pas terminé Immersive d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a que Pneumaticraft qu'il faudra qu'on fasse, qui prend de la place. Les autres modes, ça va être que des quêtes à faire. Ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. J'entends réfléchir à comment je pose ça. Finalement, est-ce que j'utilise Xnet pour cacher les câbles? Mais si je prends Xnet pour cacher les câbles, il faudrait que j'ai une exportation d'items de toute façon de Refine Storage, au moins sur un drawer, contrôleur avec des drawers dedans pour mettre les items. On va faire un truc. Drawer. Hop, j'en ai pas. Toujours pas automatisé ce truc là. Hein. C'est incroyable. Drawer. Ok. Stick. On va faire des frames, comme ça on va les colorer comme on veut. Et drawer, on va faire des frame drawer, mais en 2x2. Boum. Et donc là, on reprend le classique Deep Slate avec Basalt, Cobblestone. On ne servira probablement pas de tout ça, mais au moins je les ai. Est-ce qu'on va faire... Oui, je pourrais totalement faire un compact machine, hein.
Mais j'aimerais bien qu'on les ait ici en fait. Ça ferait combien? 4 et 4, 8. 8 et 8, 16. 16 et 16, 32. Soixante-quatre, 68, 72, 76. Et là, ça ferait 80. Et il nous en faut 81. C'est relou, ça fera pas propre. Je vais mettre ça comme ça. Donc là techniquement on pourrait mettre dans ce drawer contrôleur tous les items qu'on aura besoin pour faire les singularités. Exporter directement dans Refine Storage puisqu'ils seront stockés dans Refine Storage. Et avec XNet on pourra faire une exportation de là-dedans pour les rediriger vers les Quantum Compressor. Et dans ce cas-là au niveau des câbles on sera plutôt, on sera beaucoup plus léger au niveau des câbles. Faudra juste mettre des filtres. Ça se passera bien. Mais du coup, il faudrait qu'on ait la même chose pour les singularités. Au final. Donc la même chose pour les singularités, je peux le mettre de l'autre côté. Je peux le mettre là. Non ! Oui. Non! Non! Oui. Ok. Contrôleur. Contrôleur. Ce qui va être relou, c'est d'extraire les items nécessaires. Parce que les exporteurs... Je crois ont deux lignes ou trois lignes. Ils ont deux lignes. Donc ça, il va nous en falloir 18 36. Ouais, il va nous en falloir 8 quoi. Il va nous en falloir 8. Et ça je pourrais le mettre derrière. Je pourrais le mettre derrière. Damn. Fais-en 8. Voilà. Donc on a les 8. On va lock d'ailleurs. Ça. Et ça. Ok. Ça dit quoi les quantum? Ça dit rien du tout. Très bien. Et donc là, il va falloir qu'on commence à mettre les items qu'on a besoin pour les singularités. Et ensuite, on va gérer l'exportation. On va gérer tout de suite l'exportation. Les entangled blocks. Ok. Trois, six, sept, huit. Parfait. Et donc là, on va les mettre là. Comme ceci. Donc tous ces exporteurs sont reliés au même drawer. On va juste les configurer. Et le connecter à Refine Storage, on verra après. Ok. Et là, ce qu'on peut faire, ça c'est fait, c'est regarder les singularités. Ça va nous prendre un peu de temps, mais il faut qu'on regarde tous les items qu'on a besoin. Donc on a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Tu me diras, je suis en train de me dire, avant de faire ce que je suis en train de faire, parce que ça se trouve, on va pas faire ce que je suis en train de faire.
Ce serait bien d'utiliser les EMC. Parce que j'ai fait en sorte que toutes les singularités, on puisse les crafter grâce aux EMC. Donc il nous faudrait juste un accès aux EMC. C'est la seule chose qu'il nous faut. Mais pour avoir les EMC, il faut qu'on ait au moins un ultimate singularité pour faire la Sphere of All Things, pour pouvoir faire justement ça et commencer les EMC. Donc il faut au moins qu'on ait une singularité de chaque. Mais est-ce que ça vaut le coup d'installer un setup complet juste pour avoir une singularité de chaque? Ou alors ce serait peut-être mieux que je les fasse manuellement pour le moment. Jusqu'à ce que je puisse utiliser les EMC. Je pense que je vais tout faire manuellement pour le moment. Je vais abandonner cette idée-là. Hop, je vais enlever tout ça. On abandonne cette idée-là. On utilisera les EMC. Ce sera plus sympa. Au moins on a le matos nécessaire maintenant si on veut stocker. Et donc il me faut juste un Quantum. Quantum il le fait pas, hein. Ah, il est en train de faire le Black Iron. En fait, il attend d'avoir tout le Black Iron, c'est ça? Damn, c'est long, hein. Je vais l'accélérer un tout petit peu. Salut. Ça va pas très vite. En fait, c'est les trucs de l'autre côté qu'il faut que j'accélère. Oh, je suis coincé. Hop. C'est ça qui doit être accéléré. Bon, je suis pas sûr que ça fasse une grosse différence, mais bon. Comment je vais automatiser le Black Iron? Avec ça. Un craft là-dedans. Et il se connecte à l'entanglade qui est connecté à ça. C'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que je déplace ça, je m'en occuperai plus tard. Tiens, fais voir combien je suis en termes d'énergie là. Ça va, on n'a pas de problème d'énergie. Ok. Donc pendant qu'il est en train de crafter les... Ah, il a déjà crafté quelques quantum. Nice. Quantum. On va juste en avoir besoin d'un. Parce qu'au final, on va se concentrer sur celui que j'ai besoin. C'est pas l'élémentium, c'est l'endumium. On va se concentrer sur lui. Parce que lui, on va en avoir besoin pour faire les créatives essences. Et une fois qu'il aura fait tous mes quantum, va falloir que je lui demande le crafting cours. Yep. Va falloir que je lui demande ça. Pour faire les singularités, il va nous falloir également les ultimates catalystes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui envoyer tous les crafts qu'il va avoir besoin pour extraire des craftings. Mais vu que ça va nous prendre beaucoup de temps, on va s'occuper de quelques quêtes pendant qu'il craft, hein. Parce que sinon, on va dormir ici en fait. Donc, ultimate 80. Ensuite, Extended Crafting, je vais devoir lui apprendre à faire clic, ça et ça. Donc ça, go. Et ça, go. Et évidemment le bloc, go. Ça va nous coûter la pollution. La pollution. Donc le plus gros craft, je crois qu'avec la combinaison crafting, c'est celui-là, hein. Ouais, ça va être celui-là. C'est le plus gros. Donc il nous en faut combien? 4 et 4, 8. 8. Ah, attends. 4 et 4, 8. 8 et 8. 16. 20. Il en faut 20. Donc 20. Go. Et enfin, un crafting core. Go. Donc là, il a du travail le monsieur, parce qu'il a 380 Black Iron à faire ici. Il en a 400 à faire là. Il en a
132 à faire là. Ok. Pas tant. Et 20 à faire là. Moi, je m'attendais à ce qu'il en fasse plus, en fait. Mais non. Ok, on est bon. Tu craftes quoi? On craft le nécessaire pour extended crafting. Mais là, vu que ça va prendre du temps pour crafter, on va s'occuper de claquer quelques quêtes. Ici, il y a cette quête-là qu'il faut que je récupère de la nourriture. Il faut que je fasse le catalyst que j'ai déjà. Hein. Hop, comme ça, ça se valide. Ça, je l'ai pas mangé, c'est très bien. On va pouvoir le manger. Hop, je l'ai mangé ça, absolument. Donc cette partie-là est faite, faut juste que je fasse Dimensional Dungeon. Dimensional Dungeon, on l'a pas du tout fait. Hein. Pourtant, il est fun comme mode. Donc on veut le blank portal key. Je regarde si j'ai rien crafté de là-dedans. Ah bah j'avais déjà des choses. Si j'avais déjà crafté ça, on y a déjà été. Jusque la quête elle s'est pas revalidée. Ok. Donc j'ai expliqué un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai toujours pas trouvé d'idée de quoi mettre dans Dimensional Dungeon. Et j'ai également vu que grâce au mod en fin de compte, on peut si on a envie créer nos propres salle de donjon en fait. Avec ce mode là on peut faire ça. Et j'ai également vu d'autres choses. En fait j'ai vu pas mal de choses en travaillant sur le mode pack. Des choses vraiment très cool qui pour le coup impliquent FTB Quest. J'ai vu que avec Dimensional Dungeon, donc comme je l'expliquais, on peut créer ses propres salles de donjon. D'accord ? Donc si on peut créer ses propres salles de donjon, on peut y mettre n'importe quel bloc. Jusque là tout va bien. Il y a des blocs avec FTB Quest qu'on peut utiliser dans ces donjons là, qui demanderaient de terminer une quête pour pouvoir avancer. En gros ce bloc là en question vous bloque la progression, vous êtes coincé, vous pouvez pas aller plus loin. Vous êtes obligé de faire une quête spécifique pour pouvoir avancer. J'ai vu comment ça fonctionnait, c'est très simple en plus. C'est très puissant, vraiment sympa. Hein. Peut-être que je m'en servirai pas sur Agdamod parce que il y a déjà trop de trucs dessus. Mais ça peut être une idée. C'est ça, un donjon un peu RPG. Dans l'idée, c'est ça. Je vais recrafter ça. Enfin, je vais reposer ça là. On s'en fout. Oh, pas ici, dehors. Quoique on n'a rien à voir dans ce donjon. J'ai déjà dû y rentrer, on va pas se prendre la tête avec ça. Pour le coup c'est dommage que j'ai pas réussi à trouver un intérêt à aller là-dedans. Actuellement sur le modpack il n'y a pas d'intérêt à aller dans cette dimension. Il faut que j'arrive à lui trouver un intérêt. Mettre des loot spécifiques dans les loot chests, quelque chose comme ça. Les chests. Copper. Ok. Après le copper c'est quoi? C'est lui. Après lui c'est lui. Après lui c'est lui. Après lui c'est lui. Ok, donc le diamant. Là on est sur un cas où ma quête est validée mais elle ne se revalide pas. C'est un cas qui est très chiant et malheureusement c'est un bug de FTB Quest. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont eu ce problème. Malheureusement, la seule chose à faire, c'est de le valider manuellement. Donc FTB Quest, Editing Mode. On va faire un reset, vu que j'ai le chat sur moi, donc c'est bon. Ok. Donc là, on veut le cristal. Et on veut l'obsidienne. Voilà, les quêtes des chests c'est terminé. On va s'occuper des docks et des denks et des tanks. Puisqu'on a tout ce qu'on va avoir. Donc, tank. Donc là je crois que j'aurai rien parce qu'il me faut du white concrete. Et concrete j'ai que dalle. White. Boom. Et enfin un black. Boom. On va transformer ça. Et on va se mettre ici pour transformer ça. Donc là ça va se transformer en concrete dur.
grâce à la flotte. Voilà. Hop, terminé. Bonsoir Maxime. Comment marche le pédestal avec la Final Star de Projecteux? Ça marche pas pour moi, je sais pas pourquoi, merci. Parce que ça ne marche pas tout simplement. Regarde, je vais t'apprendre un truc. On est doté de lecture. Nous, êtres humains, on peut lire. Il y a marqué quoi sous? Il y a marqué place chest next to pedestal. Il y a marqué whip. Alors whip, on sait peut-être pas ce que ça veut dire. Whip, on peut regarder sur internet que ça veut dire. Whip, ça veut dire work in progress. Ça veut dire que ça ne marche pas. Ok. Donc, tank nul. On va faire des buckets. Alors, ça va être les quêtes redondantes et chiantes, mais bon, au moins ce sera fait. On va peut-être améliorer aussi nos centrifuges, vu qu'on va avoir le matos. Merci Yulvins pour le 10e mois niveau 2. Merci à toi. Titi, j'en ai eu 15. Je comprends pas, c'est plus possible de changer les configs des assembleurs. De quel assembleur tu parles? Ces quêtes qui se valident. Hop, c'est fait. Alors, environnemental tech, regardez, je vais vous montrer un autre truc. Bougez pas, on va chercher ça rapidement. Alors. Attention! Boum. On est sur la page d'Environnemental Tech, ok? Sur cette page-là, on peut voir que la version 1.16 est en alpha. Il y a marqué A, ça veut dire alpha. Il y a alpha, bêta et release. Donc, Environnemental Tech, c'est un mode qui n'est pas terminé. Il manque encore beaucoup de choses. Depuis qu'on a commencé Ragnamod 6, il y a eu énormément de changements. Avant, on pouvait juste faire un shift-clic droit sur le contrôleur pour pouvoir faire en sorte que ça se construise tout seul. Ensuite, il fallait qu'on appuie sur un bouton pour qu'il se construise tout seul. Aujourd'hui, on ne peut plus faire qu'il se construise tout seul. Le mode est en constante évolution. Et il faut savoir qu'en 1.16, il y a encore énormément de modes qui sont en bêta alpha et qui sont en constante évolution. C'est pour ça que les mod packs sont constamment en train de changer, parce que les modes sont constamment en train de changer. Donc il faut regarder les modes. Quand vous avez un problème avec un mode, regardez sur la page du mode, vous regardez sur le GitHub, vous regardez sur les problèmes du mode, savoir s'il y a un souci déjà du mode, avant de venir me voir en me disant « ouais, il y a ça qui marche pas ». Faut essayer, je sais que c'est compliqué ce que je vous demande, mais faut essayer de se débrouiller un peu tout seul avant de demander de l'aide. Et puis en plus c'est beaucoup plus satisfaisant de réussir à trouver la solution soi-même que par quelqu'un d'autre. Enfin, moi personnellement, je trouve. Tout ça, c'est fini. Boum. Oh là là. Je suis plein de saloperies. Ok. Tiens, mange ça vu que tu l'avais pas mangé. Nice. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Mais ça, ça n'a pas été fait. Ouais, parce que j'avais pas les Blue Earth. Je les ai toujours pas fait, les Blue Earth, je crois, ici. Hein. Attention, je vais perdre des cœurs. Bleh. Non, je les ai pas fait, les Blue Earth. Bubbly Earth. Et... Oui. Faut qu'on fasse le dragon. Ou alors qu'on capture le dragon. Ouais, au niveau où on en est, ça sert à rien d'aller capturer le dragon. On peut tout simplement le fumer nous-mêmes.
On peut aller le fumer nous-mêmes. Bon, on va se faire quelques dragons, rapidement. Ok. Ça devrait être suffisant. Ça en est où les crafts? Ah, mine de rien, il a bientôt terminé en fait. Bon, c'est pas grave, le temps qu'on fasse les dragons, ce sera bon. Ah, mais si je vais dans l'end ici, je serai pas sur l'île de base. Je crois que de toute façon, j'ai un. Ouais, j'ai ça. End. Voilà. On y va. Dis donc. Tais-toi. Ok. Donc des cœurs. Il nous en faut 8. Faut qu'on tue encore 8 dragons. Ça va aller assez vite. Voilà. Ok. Alors, il faut qu'on récupère les œufs là. Ok, et l'autre il est parti où? Il est parti là. Nice, nice. Et rebelote. Moi je vais tester si la Morgane fait mal au Chaos Garden Bago. Hein. Tu n'as pas tous tes cœurs verts. Je le sais. Là j'en ai 3, j'ai dit qu'il fallait que j'en fasse 8, maintenant j'ai plus qu'à en faire 7. Donc c'est bon. J'ai ça comme enchantement sur l'épée. Capturing 6, Reaper 8, Ban of Villager 9, Sweeping Edge 7, Sharpness 8, Looting 7, Beheading 6, Disarming 6. Évidemment, une brique. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait en sorte qu'on ait. Alors, faut mettre jukebox et musique activée. On ait une musique de dragon. Ah, bah attends, mais c'est moi ou il a un chapeau le dragon là? Ah, il a un chapeau le dragon. Imaginez. On se fait un Ender Dragon avec une coupe afro. Ah oh, purée, t'es chiant, hein. Viens là. Voilà. La fait tomber là. Ok. On a tout chopé, on recommence. Je sais pas si la musique elle va se déclencher là, on va voir. C'est dommage qu'elle se déclenche pas maintenant en fait. Ouais, les abeilles vanilla peuvent avoir des chapeaux par contre, j'ai pas retiré le fait que les abeilles vanilla puissent en avoir. Il n'y a que les abeilles de Ressources Full Bee où j'ai retiré le fait qu'elles puissent avoir des chapeaux. Bon, ça a l'air de beaucoup marcher le fait de mettre de la musique, hein. Tu m'agaces. Non, tu veux pas? Qu'est-ce qu'il est chiant.
Je vous jure, la hitbox du dragon, c'est vraiment débile, hein. Le dragon, il arrive à te toucher à 3 km alors que t'es même pas à côté. Ok, on va prendre ça. Très bien. Il y a un patch de Mao Tsukai, Karma Morgan va jusqu'à 200 damage, mais pas plus. Le patch, c'est au créateur du modpack de le faire. Moi, si je veux, sur mon modpack, je peux faire en sorte que la Morgan, elle aille pas plus loin que 50 damage, par exemple. Ou même 10 de damage. Du coup, elle deviendrait useless. C'est moi qui choisis, en fait. Dans les options par défaut, elle monte jusqu'à... jusqu'à 5 millions. La mienne, elle peut aller jusqu'à 5 millions. Mais ça, c'est les configs par défaut. C'est à moi, créateur de modpack, de choisir si oui ou non je veux changer ça. Donc le modpack sur lequel tu es en train de jouer, le créateur du pack a décidé de changer ça. Alors, Bobby Hurt. Ok, j'ai encore 5 dragons à me faire et on sera tranquille. On pourra se faire nos cœurs bleus. Faire F3B pour que ce soit plus facile, ça changera rien. Faut juste réussir à taper vers là où il y a sa tête. Ok, rebelote. D'ailleurs, tu ne fais pas 10 autres cœurs verts pour faire les cœurs bleus. Non, parce que les cœurs verts, en fait, je les ai déjà. J'ai déjà les cœurs verts sur moi. Là, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est les cœurs bleus. Donc, il faut que j'ai 10 cœurs verts pour pouvoir faire mes cœurs bleus. Non, j'ai jamais joué à Palladium. De ce qu'on m'a dit, Palladium c'est un serveur... Mais viens là! Oh purée. Mais please, arrête de me taper dans le vide là. Mais tu t'es même pas à côté de moi, arrête de me taper! Saloperie. C'est du... comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié le terme exact, mais en gros, le but de Palladium, c'est d'aller piller les bases des autres. Je suis pas du tout fan, hein. Moi, j'aime bien quand je build ou quand je fais quelque chose dans ma base, c'est qu'on vienne pas m'emmerder. Et vu que le but, c'est d'aller embêter les autres, c'est pas pour moi. Sa faction. Ouais. Il y en a qui aiment bien, moi j'ai essayé... Alors j'ai pas essayé Palladium, mais j'ai déjà essayé faction et... Ça me dégoûte en fait le fait de te faire chier à faire quelque chose pour que derrière on vienne détruire tout ce que t'as fait. Bon, en fait ça me donne pas envie de continuer de jouer, tout simplement. C'est non ça. Oh, peut-être que. Yes. Ah, il est toujours pas mort le dragon là. C'est bon. Bon, on en est où là? Allez, encore deux dragons à se faire et c'est bon.
Ouais, c'est plus pour les joueurs PVP, voilà. Ouais, et encore, hein. Et encore. Salut ML, j'espère que tu vas bien. Passe une bonne soirée. Perso, je... Merci le monde pour le 13e mois d'abonnement. Du coup, une bonne soirée à toi si tu peux pas rester. C'est comme quand on avait fait la cité du swag. Bon, moi malheureusement j'ai pas pu y participer à fond à la cité du swag parce que j'étais en train de travailler sur Agnamod. Mais je sais que dans la cité du swag il y avait des joueurs. Ils passaient leur temps à chercher les autres joueurs pour leur fracasser la tête quoi. Alors que le but de la cité du swag c'était d'essayer de farmer le plus de choses pour avoir le plus de points. J'ai trouvé ça d'un chiant. C'est bon? Ok. Encore deux dragons. Surtout que la plupart des joueurs qui veulent taper en PVP, c'est la plupart des joueurs, ceux-là, ils sont déjà en train de faire du PVP tous les jours, quoi. Ah, c'est ah non, j'allais dire c'est Noël, mais non, il a juste un autre chapeau. J'ai cru qu'il avait le chapeau de Noël. Hein. Ok. C'est bon, ça a disparu. On va faire le dernier dragon. Voilà, après on pourra rentrer à la base et avoir 10 cœurs en plus. Alors pourrais-tu arrêter d'être relou? Si. On a tous nos cœurs verts. On va pouvoir crafter ce qu'on veut. Nice. C'est bon? Cassos. Bonsoir Akagi Sakura. Bonsoir El Springos. So. Oups. Voilà. Boum. Je peux pas faire de shift de clic, je suis obligé de faire ça comme ça. Voilà, on a des cœurs saumon, couleur saumon. On claim. On récupère des trucs qu'on va ranger parce qu'on en veut pas. Et donc là, il va nous manquer les furnaces, il va nous manquer le mining gadget. Quelques trucs ici à faire. Il me faudrait des gas pipes pour faire l'universal. Et ensuite les jetpacks, et puis c'est bon. Pour cette page là. Il y a l'enchantement libraire aussi, je pourrais récupérer celui qui est en bas, vite fait. Voilà, ça c'est fait. Et normalement, on a terminé de faire tous nos crafts. Yes! Donc, Extended, on va prendre ça. On va prendre ça. On va devoir prendre un comme ça, avec un comme ça, pour pouvoir faire nos Endumium. On va le faire tout de suite, l'endomium d'ailleurs. Point. On va faire exporteur. On va juste en prendre un comme ça avec du speed. Stack.
J'ai que 4 green earth, sérieux? Comme ça j'ai que 4 green. J'avais pas fait tous mes greens. Effectivement, faudrait que je me fasse 6 autres dragons. Eh bah comment vous dire que là pour le moment flemme. Je les ferai plus tard. Bon, donc on peut avoir d'autres cœurs. C'est bon à savoir. Endumium. Donc on va se mettre là. Ouais, je vais me mettre là. On va me faire du câble par contre. Donc je veux lui. Point. Ça. Donc là l'énergie. Ça. Limited input. On va garder le limited input. Endumium. Ok, il en faut 5184. Alors 5184, je crois que c'est l'équivalent d'un double chest d'item, je crois. Non. Attends. Si c'est ça. C'est l'équivalent d'un double chest. Quoique non, j'ai dû faire de la merde. J'ai mal calculé mon coup. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Je veux juste mettre ça là. Lui dire de prendre de l'endumium. Non, j'ai pas oublié les sous-titres, non. Tiens. Tiens. Item, on est ok. Voilà, on envoie le tout, donc on va avoir de l'endumium singularité. Ah oui, j'en ai encore un, ouais, tu as raison. Donc un autre point. Pour alimenter le crafting core. Donc, tu me diras, lui par contre on va pouvoir utiliser Xnet si on veut. Les singularités, j'en ai juste besoin de 4 et 4, 8 16, il m'en faut 16 des singularités. 16 pour avoir les créatives essences nécessaires pour faire le draconium ingot. Et ensuite faire la graine de draconium pour commencer à faire draconique évolution. Donc il faut qu'on installe le crafting core. On va pas le mettre en dessous, il y a déjà beaucoup de bordel. On va le mettre là le crafting core. On va le mettre ici. Voilà, on n'aura pas besoin de plus de pédestal. Hein. Ça, c'est la taille qu'on va avoir besoin. Alors, par contre, ça, ça me trigger. C'est non. Je veux que ce soit entre les deux, là. Voilà. Je me sens un peu mieux. C'est pas aligné vis-à-vis de ça, mais c'est aligné vis-à-vis des poteaux. C'est mieux. Ok. Donc, Xnet comme d'hab, on aime bien. Tu me diras. Hop, enlève ça. On est bien. On connecte le tout. Je connecte là aussi hein. Et on repose ça. On mettra les façades plus tard hein. Je vais juste me contenter de poser ça pour le moment.
Xnet, on va le mettre là. Ici. C'est raté ça, je casse tout, tout va bien. On va tirer le câble en dessous. On va le ramener jusque là, le câble. Là, on va avoir besoin d'un connecteur. Il va falloir qu'on lui donne de l'énergie. Donc pour le moment, je vais l'alimenter là. Il faut qu'on prenne un câble de méca. Hein. Ok. Donc le câble de méca ici. Avec le point derrière. Tu me diras, je vais le mettre là. Comme ça. On le cachera d'une certaine manière plus tard. Donc channel énergie, create, on va extraire pour insérer là et également insérer là-dedans parce que tu vas en avoir besoin. Donc ouais, il reçoit bien l'énergie, tout va bien. Et là en fin de compte, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est mettre des filtres ici pour faire en sorte d'insérer les items que j'ai envie là-dedans, tout simplement. Et qu'on réextrait. Et du coup là, il faut que je ramène à un crafter. Xnet, il est pas si dur à avoir. Faut quand même faire les câbles de Pipez, faire les Universal Pipes. Les câbles, ils sont gratos. Hein. Enfin, il y a juste ça, mécanisme, qu'il faudra commencer. Hein. Et ça, il faut commencer Rev Tool. Donc, il faut commencer d'abord l'Undergarden. Merci, Bowlsy, pour le deuxième mois d'abonnement. Merci à toi. En Creative Essence, il nous faut ça. Ça, ça, ça et ça. Et évidemment ça. Donc on va commencer par mettre les filtres. Filtre de ça. Filtre de ça. J'avais oublié ça. On en a, normalement, c'est pas un problème. On a 4000, mais faut le casser, en fait. Faut le casser. Donc ça, c'est fait. Legendary. Le Tiny Antimatter Rubber. Et enfin, le Lendorium. Enfin, l'Endumium. Donc ici, on va créer un channel item. On n'a pas d'extraction pour l'instant, on s'en occupera après. On va s'occuper de mettre les filtres. Donc insertion, fertiliser d'essence. On copie 1, 2, 3. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant lui, on copie 1, 2, 3. Maintenant lui, on copie 1, 2, 3. À ton tour. 1, 2, 3. Et enfin toi, boum. 1, 2, 3. Voilà. Et là, il faut filtrer la singu, mais je l'ai pas la singu. Tu me diras, elle a dû se faire. Et j'en ai déjà 6. Ok. Donc, l'insertion, singu. Très bien. Et là on aura un autre filtre ici pour faire une extraction et normalement il extrait pas ce qu'il y a là-dedans tant que le craft n'est pas terminé il me semble. Donc ça c'est bon. On va créer un craft là-dedans du coup hein, parce que c'est un craft ici qu'on va devoir faire. On veut Creative Essence, boum. Donc 2, 4... Ouais, il me donne bien tous les items, c'est bon. On encode. Crafter. On va prendre un crafter classique, c'est suffisant. Allez. Merci. Speed. J'en ai déjà sur moi.
Ouais, c'est tout. On va mettre le crafter. Il va me gêner, lui, au final. Il va me gêner. Parce que j'aimerais mettre le crafter derrière. Fais un peu de place. Si je cache ça. Ça, je peux pas le casser. Ok. Faut que je laisse là. Avant, j'ai vu que ça, je pouvais le casser. Ça aussi, du coup. Yes! Parfait. Donc là, c'est bien caché maintenant. On va prendre. Bien le bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On fait quoi ce soir? ML. Merci, monsieur Chiro, pour les 100 bits. Ce soir, on fait Draconic Evolution. En tout cas, on tente de faire Draconic Evolution. Est-ce que je le mets là ou est-ce que je mets plutôt un câble? Là. Et là, je mets ça ici. Alors, il n'y a pas besoin de se connecter vers le sud. Il va avoir besoin, évidemment, d'un chest. Un barrel. J'aime bien les barrels. Tac. Bon, ça se voit ici, mais c'est pas très grave. Je crois que ça m'embête. Finalement, ce sera un chest. Train de la hype, chouchou. Merci, monsieur Chiro, pour les 100 bits en plus. Pour le coup. Ah bah, pour le coup, le train de la hype, il est parti. Il n'y a pas eu le temps. Donc le crafter. Le crafter, il va se connecter là. Et... Relou. C'est quoi le crafter? Je vais le mettre là-haut, comme ça je suis sûr qu'il se connectera à rien. Le chest, on va le mettre là. Le câble, on le met ici. Après, je suis sûr que si je mets un façade, ça va faire chier. On va voir. Ah non. Ça embête pas le façade. Ok, c'est cool. Donc voilà, ça c'est fait. Faut juste que je connecte le crafter à Refine Storage. Ça posera pas de problème pour ça. Ensuite... Il faut qu'on extrait les items de là-dedans et qu'on les réinsère dans un interface qu'on va mettre ici, je pense. Alors on va faire mieux. On va mettre ça là. Interface. Cool. Je mets ça là. Et là on est connecté. Enfin on est connecté, pas tout à fait encore hein, mais... Ça va venir, ça va venir. Craft, speed. Stack. Ok. Donc pour connecter ça, classique, hein. L'entanglet de bloc. Puissant. Efficace. Boum. On sélectionne lui. Et je crois que je l'avais connecté par là. Je sais même plus comment je l'avais connecté. Chouchou, demain à 7h30 au SAMU. Croisillon, j'aime mon taf. Ah, bah bon courage, Gorik TV. Ok, donc on casse ça. On reconnecte. Voilà, là c'est connecté. Chouchou, je veux le petit train. Merci monsieur Giro pour les 100 bits. Le petit train, il est revenu mais il est toujours pas envoyé. Donc le craft a été validé. Les items sont là maintenant. Je vais enlever ça. Ah bah voilà. Merci Alexis pour les 100 bits. Et du coup le train de live s'est bien envoyé. Maintenant. Alors façade, on va en profiter pour le faire tout de suite.
Parce que ça, au final, je vais pouvoir le cacher. Oh la vache, tousser. Oh. Toute cette surbrillance. Yes, le petit chouchou. Merci pour les 200 bits, monsieur Chiro. Donc on laisse ça comme ça. Peut-être que ces blocs là je les changerai. Je vais peut-être mettre du deep slate à la place hein. Alors ce qui est super chiant avec les façades d'XNet et je ne sais pas comment gérer ça. Je sais pas si avec la Vrange ça pourrait fonctionner, parce que j'ai pas testé la Vrange d'RF Tool. Mais ce qui est relou, c'est que bah, de temps en temps, quand tu vas donner un coup de pioche, ça va t'enlever la façade, mais ça va pas t'enlever. Enfin, ça va t'enlever les câbles en même temps. C'est d'un chiant. C'est des slabs, ça. Je vais prendre les blocs. Hop. Voilà. Là, c'est bien. Merci, Gorille, pour les 100 orbits. Alors. On réinjecte. Ceci histoire qu'on ait plus de câbles rouges qui dépassent. On est bon, parfait, on peut arranger ça. Donc maintenant, alors toi par contre faut que je te redonne de l'énergie hein. Exportation d'énergie, voilà, on est bon. Donc ici, c'était les insertions qu'on avait fait avec nos filtres. Il faut qu'on extrait de ce chest-là. Donc on va faire single, tous les 5 ticks, il les retire. Parce qu'il n'a pas besoin de prendre les stacks. Il va juste garder les items. Je crois... On peut pas mettre un stack là-dessus, il met qu'un seul item. Hein. Ouais, donc déjà, il y a déjà ce problème de régler. Donc là, ça va être bon. Et enfin, ici, il faudra qu'on fasse une extraction. Pareil, bon stack. Et qu'on le réinjecte dans l'interface. Voilà, normalement on a automatisé le truc. Par contre, comme dit, je ne sais pas s'il va récupérer la singularité ou pas. Si, il récupère la singularité, ok. Donc dans l'extraction, on va mettre blacklist l'endumium singularité. Donc là maintenant il le récupérera plus. Mais dès qu'il va crafter le creative essence, ça va être bon. Et donc en théorie, Creative Essence, Start. Ah oui, non, il va me falloir Prosperity Shard. Ok, donc ça, il faut qu'on en farm. On va poser le Prosperity Shard. Alors, on a plusieurs méthodes pour farmer ce truc-là. Je peux utiliser RF Tool qui va miner en fortune. Constamment. Ou alors, je le fais à la mano parce que j'ai fortune. Parce que j'ai beaucoup de fortune en fait. Fortune 6. Pour l'instant, je vais le faire à la mano, mais peut-être qu'on installera le RF Tool pour faire ça. Hein. Ok, go. Wand. Alors, évidemment, ça va être un plaisir à cause des bugs visuels. Hein. Oui, ils sont là. On va juste rentrer là-dedans et puis ressortir. Voilà, histoire d'afficher la tour de Prosperity et Fortune. Go. Ah oui, je suis. Faut que je mange ma tarte citron. Coucou Lucide. Il y a beaucoup trop d'items. Hein. Ça va bien se passer. Descends. Voilà.
Je pense qu'en termes de prospérité, on devrait être bien pendant un moment. Ok. Plus qu'à voir si tout fonctionne bien. C'est parti. Créative. Ah, le son de l'XP, ouais. Start. Regardez ça. C'est beau l'automatisation. Donc là, le Creative Essence est en train de se faire. Ah, et tous les blocs quand tu les loot. Bah, c'est pour ça que moi j'aime bien creuser sur Holicube. La satisfaction de péter les blocs plus la satisfaction de les récupérer. Par contre, ça prend un temps monstrueux, ça. Attendez. Ça demande 100 millions de RF et ça consomme 100 000 RF par tick. Ah, ça y est. Boum! Notre premier Creative Essence. Oh, nice! On claim. Il m'a redonné notre Creative Essence. C'est pas beau, ça? Ah, j'avais oublié qu'on pouvait récupérer d'autres pédestales comme ça. Bon. Très bien. Donc, Creative Essence, il va nous en falloir. On en a 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, go. Ah oui, j'ai pas assez de 5, il faut que je les récupère en bas. Putain, ça devrait être bon. 14, c'est parti. Donc là, il va me crafter les Creative Essence. Il y en a 14 à faire. Ça va se faire tout seul, gentiment. Ça c'est clean. Ça prend du temps pour le faire, donc on va le laisser faire. Et une fois qu'on les aura, on pourra commencer Draconique. Draconique. C'est beau. Extended crafting. Voilà, Creative Essence est là. Hein. Donne-moi de la nourriture. J'ai faim. Azuki cake. Cool. Deluxe chicken curry. C'est pas Riffen Storage ici. Désolé, le gâteau, ça dégage. Voilà. Ah. BRR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 R
On est où? Il y a tellement de points, je me vois pas. Si, je suis là. Ok, je me vois. Je crois que la reine des neiges qu'il y a là-bas, on l'a fait. On va aller vérifier. Regardons si on l'a déjà destroy. Si on a un serveur... Non, non, c'est un serveur, il se met pas à jour tout seul. Après, ça dépend où tu es. Je crois que tu as des services qui te permettent d'avoir les modpacks à jour tout seul, mais... c'est pas mon cas. Salut les gars. Nice. Donc cette reine des neiges là, on l'a fait. Sur cette map là, on est où? Je vois pas mon point sur cette map là. Ah, je dois peut-être être à droite. Ouais, je suis à droite, donc il faut que je me dirige là-bas. Non, c'est pas le serveur avec les autres streamers. Là, pour l'instant, enfin quand sur le titre du stream il y a marqué Ragnamod 6, c'est que je suis sur mon serveur solo. Quand il y a marqué FTP, c'est que je suis avec les copains. Et normalement, demain soir, on est sur FTP. Je n'ai pas trouvé de village ainsi que des temples astrales. Alors, soit t'as pas de bol. Soit t'as un problème dans l'installation du modpack et du coup faut réinstaller. Mais je dirais surtout que t'as pas de bol. Si tu veux être sûr de savoir si t'as un problème ou pas, essaye de faire la commande slash locate et regarde si tu peux localiser un village. S'il trouve pas de village avec la commande slash locate, c'est qu'il y a un problème sur le modpack, il faut que tu le réinstalles. Et donc ici la reine des neiges, on n'a pas du... Mais si je l'ai fait, oh la vache, je les ai toutes butées hein. Oui, le serveur a réparé, c'était dans la base de Vartak qu'il y avait un problème. On va se mettre là-bas. Tu me diras en bas. Je vois un biome neige, on y va. Ah! Il y a des géants. Oh là là, le beau château! Qu'il est beau ce château. Est-ce qu'il va me générer le boss là ou pas? Je peux pas descendre, non. Non, il me génère pas le boss, hein. Dommage. Mais ouais, le château il s'est gavé quand même, il est vachement joli. Hein. Ça, vous voyez? Ça c'est une idée. Le château qu'on a là, un jour sur une série, on le copiera. Ou alors on s'installera dedans. Et on fera notre base ici. C'est une idée. Alors, donc on est déjà dans un biome neige, donc j'ai juste à aller tout droit. J'ai pas besoin de générer mon autre map pour le moment. Normalement, il va y avoir la reine des neiges ici. Comme tu es belle, comme tu es morte. Et j'ai pas eu le tribo, saloperie. Donc voilà, j'ai pas le choix de générer ma map. Très bien. Bon bah faut explorer hein. Voir si on peut trouver d'autres biomes neige. Pas aller trop vite pour éviter de faire flancher le serveur, parce que bon, ce serait dommage. On va descendre. DNA, pourquoi tu dis DNA?
Ok, là y a rien. Salut Didounet. Alors pour moi, personnellement, j'ai pas d'intérêt à capturer la Reine des Neiges pour la farmer dans un mob cage, alors que j'ai juste besoin d'un seul drop. Si j'avais besoin de looter plus de choses avec elle, peut-être que... Mais là j'ai juste besoin d'un seul drop, j'ai pas besoin de faire un mob cage juste pour ça. Je pense qu'au milieu on n'aura pas de biome neige, hein, mais je vais quand même explorer la map à fond. Et de toute façon là je vais devoir descendre. Parce qu'il faut que je trouve un corbeau. Regardez, ils se fondent dans la masse. C'est pas des corbeaux, c'est des poulets ça. Ils sont où les corbeaux? Du poisson ça. Merci Eatrice pour ton message. Moi ça m'éclate, j'ai toujours eu l'esprit créatif. Et bah, j'ai trouvé mon bonheur en fin de compte en faisant les mods pack. Hein. Parce que ça me permet d'exploiter toutes les idées que je peux avoir en fait. Alors. Je capturais ce lapin. Qui va nous permettre de récupérer de la bouffe de lapin. C'est important pour faire la graine après. Oh, une tortue! Vous m'agacez, je trouve pas de corbeau. Ah, des fleurs, il y en a, hein. Corbeau, il y en a pas. Je vais me décaler, je vais aller dans ce biome là. On va peut-être en trouver dans ce biome là. Digne oiseau. Joli chapeau, monsieur. C'est pas des corbeaux ça? Encore une fois, merci Béatrice pour ton message. Purée, mais les corbeaux, ils font quoi là? Salut toi. Ouais, je vais prendre ça. Nice. Ouais, les corbeaux doivent savoir que je les cherche hein, parce qu'ils veulent pas se montrer. On a des écureuils. Pas de corbeaux. Je vais peut-être aller dans un autre biome. Hein. Je suis techniquement dans un autre biome là. Normalement un seul devrait me suffire parce que j'ai un looting tellement pété sur cette épée que je devrais avoir toutes les plumes de corbeau que j'ai besoin. Mais il faut trouver au moins un corbeau.
Des bambis. Lucide, ferme les yeux. Ça va bien se passer. Et ben voilà. C'est bon. Ok, là on va pouvoir faire toutes les maps qu'on veut. Et encore plus. 9. Allez, go. On ouvre ça. Et on explore. Bonne nuit à toi, Lelio. AMG. Non, Yatri, si on est sur plusieurs serveurs différents, c'est pour éviter d'avoir trop de surcharge. Parce que par exemple, le serveur sud, il est en PLS parce qu'ils sont tous dans l'endgame. Et ils sont tous dans l'endgame individuellement. Donc, ils génèrent énormément de lag à eux tous, en même temps. Quand tu regardes le serveur nord, par exemple, on n'est que deux, entre guillemets, à générer du lag. Il y a toute la team en fin de compte qui joue avec Auré. Et tu as Vartak et Salutation Distinguée. Mais t'es une saloperie. Eh ben. Bon bah. On va rechercher une autre Reine des Neiges. Hein. Tiens, essence, on en est où? On a les 16 créatives essence, donc on va pouvoir commencer Draconique quand on va revenir. Avant de commencer, j'aimerais avoir le tribo. Mais c'est Raclès pour le 19e mois d'abonnement. Salut MLDEG et salut tout le monde. Visage souriant, déjà 19 mois de plaisir presque tous les soirs. Cœur. Merci à toi, Raclès. Bon, bah ici, on n'aura pas d'autres biomes. Ouh. Non, c'est bon, je l'ai pas réveillé, l'autre. Bon, on va aller par là-bas. Hein. Oui, exactement, Coco. Hein. On aura beau dire, hein, y a peut-être des gens qui diront le modpack est pas opti, le modpack est nul. La plupart des personnes qui disent ça sont allées jusqu'à la fin du modpack. Donc au final, ils ont quand même joué. Moi, s'il y a un modpack que je trouve nul, pas optimisé et qui m'agace, j'arrête de jouer en fait. Je vais pas jusqu'à la fin du modpack pour dire ça. Enfin, après, c'est moi. Hein. Les autres sont peut-être pas pareils. Les maps, ça dégage. Et on continue d'explorer. Biome neige. Ok, est-ce que cette fois-ci ça va être la bonne? Bon, si en tuant cette reine des neiges là, je récupère pas le tribo, la prochaine que je trouve, je récupère son ADN. Hein. Parce que je veux bien rigoler, mais pas tous les jours. Saloperie, elle a pas droppé ce qu'il fallait. Bon bah la prochaine, elle va récupérer. Je vais récupérer son ADN. Je la tuerai, mais je vais récupérer son ADN pour la prochaine. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Je voulais pas en arriver là, mais le jeu me laisse pas le choix.
Ah, je suis d'accord, Jardwin. Mais en fait, ce genre de vérité, j'aime bien qu'on me le dise personnellement, plutôt qu'on aille pleurer, je sais pas, sur les réseaux sociaux pour dire, oh, c'est de la merde. S'il y a un problème avec le mode pack, faut venir me voir en fait. Faut pas aller pleurer auprès de sa communauté pour dire que c'est de la merde. C'est un comportement d'enfant, ça. Bon, après, hein, encore une fois, il s'agit que de mon avis, hein. Ok, on est sur une nouvelle map. Surtout qu'en l'occurrence, Ragdamot, je savais qu'il avait encore des problèmes puisqu'il est toujours en bêta. Et que les deux premiers, enfin les deux bêta tests en privé que j'ai fait sur le modpack sont allés jusqu'à l'endgame, mais n'ont pas terminé le modpack parce que justement il y avait des problèmes. La première bêta, on n'a pas pu la terminer. La deuxième bêta, elle était toujours en cours quand on a sorti le modpack en fait. Quelqu'un fait ça, j'en sais rien. C'est un exemple que je donne, Fly. C'est bon? Ok. Et tu vas voir que là, je la tue, elle me donne l'arc. Hein. Non, elle me donne pas l'arc. Ok. Bon, on va rentrer, on va le foutre dans un. Dans un mob cage, là, parce que ça va bien 5 minutes. Hein. 1% de chance de les avoir. Nom de Dieu. Ah bah, on n'est pas sorti. Hein. Allez, on rentre. Cage, j'en ai plus. Faut que j'en refasse. Ok. Est-ce que j'ai gardé le copy-paste du mob cage? Non, ça c'est ma base. C'est le mob cage, ça. Nice. On va avoir besoin de ça. On va avoir besoin de ça. Et d'une perle. Allez, le magnète, voilà. Oups. Donc vu qu'on vient de reboot le serveur, faut casser ça, le reposer. Non, pas ici. Voilà. Merci Space Ice pour les bits. Merci à toi. Entre l'ultimérite et la Ratlantan Armor, je pense que l'ultimérite est mieux. Après l'ultimérite, je l'ai pas fait. Donc pour le coup, je sais pas trop. Ok, Hopper. Voilà, on va prendre du Blue Ice. Je crois que c'était le Blue Ice qu'il avait besoin. Ouais, Blue Ice, ça passera. Yes. Et chest. De chance, hein. On a le time avant d'arriver ça. Hein. On a le time. L'ultimérite est mieux, ouais. Parce que l'ultimérite, en fait, t'as plus de choses en bonus avec que l'armure des rats.
quoi, je vais pas insister. Il nous faut nos essences. Touk. Merci Belking pour le 35e mois niveau 2. Merci beaucoup. Touk, créative essence. Voilà, on a le nécessaire maintenant pour faire notre notre lingot. Alors par contre, on va faire des filtres. Manioline. Hop, accepté. Et sur un des deux filtres, ce sera en deny list. Quoique c'est que du deny list en fait que j'ai besoin. Deny list. Ici. Et lui en fin de compte, en allow list, on va mettre le draconium. Hop. Donc le draconium terminé se mettra là et le manuline ne doit pas rentrer là-dedans. Mais vu qu'il rentrera pas là-dedans, tout le reste pourra rentrer là-dedans en fait. Alors tu me diras, le draconium aussi va rentrer dedans. C'est un peu con ce que j'ai fait là. Je vais enlever ça. Pas mal ça. Pas mal ça. Merci. Donc ouais, normalement là c'est bon. Sur ce filtre là, on lui a dit d'accepter uniquement... Non, de pas accepter, le manuline. Donc tout le reste, il pourra le mettre dedans, que ce soit le draconium ou que ce soit autre chose. Hein. Normalement c'est comme ça que ça va se faire. Donc on y va, premier lingot. Enlève ton magnet. Est-ce qu'on va réussir à avoir du draconium? Yes! Notre premier lingot est là. Donc il nous en faut 3 autres. 1, 2, 3. Nice! On a nos 4 lingots. On va pouvoir faire notre graine. C'est beau. Et donc la graine va se faire, je crois, là-dedans. Ouais. Très bien. Donc c'est du supremium, hein. Et là, on va avoir tout le draconium qu'on veut. Et on va mettre ça ici. Farmland, magical. Tac, tac. Ah, ok. Plus qu'à stocker ça dans les drawers. Clac. Un infini, un void. Pouf, pouf. Il n'y a plus qu'à lui apprendre le craft maintenant. Hey, draconique! Ça y est, ça commence. On est parti là. Draconium ingot. It's good. It's good. Mais maintenant qu'on a la possibilité de faire des créatives essences. Alors, on fait du Creative Essence, ok, mais on n'est pas en fin de compte encore sur l'endgame, parce qu'il y a encore des trucs à faire. Le Creative Essence va me permettre de, en fin de compte, upgrade certaines choses. A partir de là, le Creative Essence va nous permettre, en fin de compte, de tame instantanément un dragon, mais n'importe quel dragon. Donc, il est marqué Instantly Tame Any Dragon, donc si on trouve un dragon dans la nature, qu'on veut, paf, on lui donne ça, c'est bon. On peut avoir des creative upgrades pour les rats.
blaze cake qui nous permettrait d'avoir en fin de compte une chaleur constante sur les items de create. Tame instantanément un rat. On peut avoir les infinite pipe upgrades qui sont insane. Des creative upgrades aussi pour Tinker qui sont pas mal. Ensuite, bah, on a la possibilité d'aller jusqu'à l'ultimate solar panel, sauf qu'il nous faudra d'abord les ultimate ingots. Ça, il nous faut la sphère of Falsing, donc c'est non. Là, c'est pareil, je crois. Ouais, il faut une sphère, donc c'est non. Mais ouais, on peut déjà faire certaines choses. Et pour ça, il nous faut juste une sphère pour commencer. On peut faire des plaques. Oui, on pourra faire le machinarium aussi. Parce que le machinarium, le lingot, va nous permettre d'avoir les blocs. Pour faire en fin de compte la fameuse machine, le quarkotron, pour avoir du quarkonium. Mais pour ça il faudra qu'on fasse pneumatic raft avant et qu'on ait du printed circuit board. Ok. Et tout ça, ça se fait là dedans quoi. Et il faudra qu'on ait l'ultimate netherite ingot. Donc c'est pas l'ultimérite parce qu'il est utilisé. Il faudra l'ultimate ingot plus ça pour avoir ça. On a encore du travail mine de rien quand on regarde hein. On a encore du travail. Mais ça c'est bon. C'est good. Et ben voilà. Saloperie de l'ADN neige. C'est quoi, je te respecte même pas. Je récupère même pas ton ADN. Ok. Zou. C'est terminé ça. Du coup vu que c'est terminé, on va pouvoir aller dans progression. Ah oui, c'est vrai que j'avais terminé aussi Environmental Tech, donc on pourra récupérer le trophée de ça et le trophée de la Twilight. On va mettre les trophées ici en attendant. Alors le trophée d'Environmental Tech, il est pas très, il est pas très joli hein. Par contre lui il est sympa. Celui de la Twilight. Mais celui d'Environmental Tech, je sais pas comment je pourrais le faire pour qu'il soit plus joli. Mais c'est ok. Mystical, récupère ça. Et donc Draconic Evolution. On peut commencer maintenant à le faire. Et commencer à se mettre bien en armure. Avoir des trucs bien pétés avec. Hein. D'ailleurs, faudrait que je reste un petit peu AFK pour augmenter encore ma Morgane. Histoire qu'elle soit bien puissante. Ou alors, au niveau des abeilles, ah si, au niveau des abeilles, je vais pouvoir faire aussi, ah oui, on avait dit qu'il fallait qu'on augmente nos centrifuges aussi. On va augmenter nos centrifuges. Il faut que j'en mette une centrifuge là où on va générer justement notre or. Centrifuge. Let's go. Presque 1 million de gold ingots quand même. Hein. Bonsoir Keketsama. Oh, tu me diras maintenant que ça je l'ai, je vais pouvoir me remettre là. Oh là là, ce poteau qui m'agace. Le gold est généré là. Le gold il va là-dedans ou pas? C'est là qu'il va falloir qu'on regarde où va le gold. Le gold va dans celui-ci, donc c'est celui-ci qu'on doit changer. Hein. Ok. Les centrifuges. Il m'en faut 35. Ok, on a les 35. Ça, je vais devoir reprendre ça. Je vais devoir reprendre ça. Ok, on est pas mal. Termine tout ça. Voilà, on va enlever ça et on casse ça. Comme ça, il n'y a rien dedans. Ah, ça va être connecté là-haut, ok. Pardon? Pourquoi tu t'es TP, toi? Reviens là.
Elle est pas censée se TP celle-là parce qu'il y a normalement... Ouais, il y a ça. Elle est pas censée se TP avec ça. Pourquoi elle s'est TP? Je vais en refaire du coup de ça. Je crois que j'en ai d'autres. Hein. Non, j'en ai pas d'autres. Ok, on va en refaire. Ok, on va en mettre un là, un là. Alors peut-être pas un ici, un là et un là. C'est bon, tu te TP plus maintenant? L'Ender Beacon, il est buggé. L'Ender Beacon fait énormément laguer. J'ai pas regardé si ça a été fixé depuis, mais c'est pour ça que je l'utilise pas, l'Ender Beacon. C'est une horreur en termes d'FPS. Normalement reconnecté ici, voilà, il va récupérer les blocs parce qu'il le peut. Et là j'ai juste à tout reconnecter correctement. Donc là-bas, toi il va falloir que je t'extrais. Hop. Il n'y a pas d'énergie encore, hein, ouais. Toi, il va falloir que je t'extrais rapidement. Donc là j'ai juste à casser ça et à le reposer. Et on est parti. Donc ça va aller plus vite. Ça va générer masse miel. Mais le miel va partir très vite. Hein. Parce qu'on a mis nos upgrades. Ok, c'est bon. Ça n'a toujours pas été fixe, Ender Beacon. Ouais bah voilà, donc je vais pas m'en servir. Donc là on va générer plus d'or grâce à ça. Mais d'ailleurs gold. Gold, ouais, je peux plus en recrafter pour l'instant. Faut attendre qu'on en récupère du gold. Faudrait que j'enlève ça d'ailleurs de mon inventaire. On récupérera plus tard. Ok. On va s'occuper maintenant des abeilles de Draconic Evolution. Et les abeilles de Draconic Evolution, vu que les deux ici sont pleins, on va mettre les trois abeilles là, en fait. Donc. Biapiari. Je vais upgrade ça. Pour avoir 2 tiers 2. Ok. Et le tier 3. Ok, c'est bon. Il récupère ce qu'il avait dedans. Parfait. Du coup, tier 4. Ah, et pareil, du coup, aussi. Avec le Creative Essence. Bah, on peut aller là en fait. On peut aller au tier Creative Apiary. Si on veut. Pour avoir encore plus de ressources. Mes abeilles sont dans le gym void. Je suis à 165 FPS et quand je suis vers mes abeilles, je suis à 15. Ouais, bah normal. Hein. Alors, c'est une possibilité, ça. Je dis pas que je vais le faire. Mais c'est une possibilité. Et il me faudrait que 8 Creative Essence. Mais ça coûte pas si cher que ça, vu qu'on a toutes les ressources maintenant pour le faire. Et lui, on a un output quantité de 8. Lui, on a un output quantité de 100. Le problème, c'est que cet output quantité de 100, nos centrifuges tiendront pas la route. Donc il faudrait d'abord qu'on ait les centrifuges avant qu'on ait le Creative Apiary, clairement. Sinon, ça tiendra pas, hein. Alors, non. Ok. Montre-moi un peu. Je crois que c'est comme ça. Hein. Je crois que c'est comme ça que je l'avais fait. Qu'est-ce qu'il a donné bloc?
Ouais, je crois que c'est comme ça que je l'avais fait. Ok. Et il faudrait qu'on mette le, ouais, le cristallisé d'ici. Dans les coins. Yes. Fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup, avec la pierre qu'on est en train de construire ici, on pourra enfin terminer le bâtiment. Parce que le bâtiment, il a l'air libre depuis un moment. Mais on va pouvoir enfin le terminer parce que c'est les dernières abeilles qu'on va avoir besoin de crafter. Est-ce que je peux utiliser ma wand ? Ouais, ça va. Oh, quoique... Ouais, ça a bugué ici. Bon, c'est pas très grave. Du coup, utilisons la wand là. Yes. Ça a bugué. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Je suis dans un chunk là? Non. Pas de bordure de chunk. À un moment ça marche, à un autre moment ça marche pas. Incompréhensible. Bref. Validate. Ah oui, j'ai pas mis le... J'ai pas mis le stockage. Je voulais pas mis ça. Techniquement, je devrais le mettre là. Je vais le mettre au milieu. Est-ce que je peux le mettre là-haut? Est-ce que je peux oser faire ça? Ouais, ça marche. Ok, donc le mettre là-haut, ça marche bien. Et là-dedans, j'aurais juste à mettre mes blocs pour Draconic Evolution. Donc normalement, Draconium, on devrait être capable de faire des lingots. Hein. Voilà. On peut d'ores et déjà se faire le bloc. Il va falloir un shroom light pour la lumière. Ici. Voilà. Le draconium, je vais le mettre dans le coin. Ici, on aura un autre bloc, donc ça va être le. Le Ekned. Et là, ce sera le chaotique. C'est beau. On va juste mettre des torches. Torches. Il faut que je remette une couche là-haut de Onécon bloc. Parce que ça, on se rappelle, hein, c'est des blocs, si on marche dessus, ça casse. Hein. Je vais laisser à l'air libre lui pour que je puisse y avoir accès après. Voilà, très bien. Moi j'ai utilisé un tanglet parce que modular router me faisait descendre à 10 fps. Ah ouais? Bizarre ça. Ok, biswax. 10 millions. Ça devra le faire pour construire ici. Donc là on va installer le sol de cette zone là. On aura l'élévateur juste là. C'est vrai que dans la zone avec les abeilles, je le sens le coup de FPS dans la tronche. Hein. De toute façon, dès qu'on commencera à stocker en masse des ressources et qu'on aura plus besoin des abeilles, du coup, elles vont virer. Hein. Enfin, elles vont virer, elles sont stockées. Nice.
on reprend des torches. On va avoir besoin d'un élévateur. J'en ai jamais de ces trucs là. Avec glace, bonnet. Bonnet bloc. Parfait. Ok. Ouh. Ça va mieux quand on s'éloigne un peu des abeilles. Hein. En même temps, elles sont toutes concentrées sur une seule zone. C'est la violence. Alors non, je ne tuerai pas les abeilles. Le jour où j'en aurai plus besoin, les abeilles, elles seront dans des jarres, mais je vais pas les tuer. Vu tout le travail qu'on a fait pour les avoir, ces abeilles-là, ce serait dommage. Bridure. Donc on va bride. Pour pouvoir récupérer la Draconium B. Et la Draconium B, c'est Manuline et Dragon. Ok. Donc Dragon, elle est là. Elle est juste là, la Dragon B. Ouf, exporté. Dragon. Manuline. Là-bas, ça peut être dangereux. Pareil en termes d'éclairage, on enlèvera les torches un moment pour que ce soit propre. Manuline, elle est juste là. Bonjour. Alors, dragon, Manuline. Dragon B. Je sais plus ce qu'elle bouffe cette Dragon B. Qu'est-ce que tu veux? Ok, Dragon Scale. Tiens, et l'autre, bah c'est Manuline. Et donc après cette abeille là, il faudra la bride avec la Dragon Bee pour récupérer l'Awakened. Et ensuite l'Awakened, il faudra la bride avec la Draconium pour avoir la chaotique. Mais on a 10% de chance de choper la chaotique, c'est pas 100% sûr. Parce que la chaotique, elle est quand même compliquée à choper. Hein. J'adore la coteau bleu magique, surtout avec le feu rouge sang. Ouais. J'aime bien ça aussi. J'ai pas encore terminé la déco. Pour le moment, j'ai juste mis la boîte... Enfin, une grosse boîte noire qui se colle juste là. A mon avis, au niveau du terraforming, je vais faire en sorte que la terre remonte à ce niveau-là. Comme si la terre a été surélevée. En fin de compte, au niveau du de Blood Magic. Et pareil, il faudrait que je change le sol ici. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Et du coup, pour avoir ce feu là, il faut le mettre sur un cryptic magma block qui se récupère dans l'end. Ah, j'ai pas revalidé ça. C'est bon. Ouais, peut-être pas d'ico, non? Peut-être pas, non. Ah, effectivement, Nourcy, ouais. Ouais. Pour l'Ultimate Honeycomb, par exemple, moi, ce que je ferais, c'est... je retournerais sur mes centrifuges. Et là, par exemple, je ferais un shift-click et je récupérerais directement bah, les blocs que je décrafterais pour avoir les combes. Ça ira bien, je pense. Ok. Donc Draconium B. On va te remettre là-dedans. Tac tac. Hop, là tu vas me faire l'Awakened. Bien que l'Awakened pour l'instant on pourra pas l'utiliser parce que bah il nous faudra de un Awakened block. Hein. Pour ça il va falloir qu'on travaille un petit peu. On avance sur Draconic Evolution parce que l'Awakened, pour l'obtenir, c'est dans le Fusion Crafting Core.
Et donc ça va me demander Draconium Core et un Dragon Earth. Bon, je les ai les Dragon Earth, mais il nous faut les Draconic Core. Pareil, on peut les avoir. Mais il faut qu'on crafte ça avant. Plus les corps. Alors non, ça va pas être les corps, ça va être les fusions. Ouais, ça. Faut qu'on crafte ça aussi après. Et qu'on améliore ça comme ça. Donc ça se fait, hein. Par contre, le beeswax, quand on a la centrifuge en émeraude... Ah oui, le beeswax, ouais, tu dois en avoir une sacrée chier, hein. Ok, c'est terminé, ça. Donc on a les Wakened. Chest. On va mettre ça ici. Et pour l'instant, les deux abeilles, là, on va pas les poser. Je vais attendre d'avoir une centrifuge. Et je pense que la centrifuge, je la mettrai derrière, en fin de compte, à ce niveau-là. Ici. Le sol, là, faudrait que je le change pour remettre du beeswax. Ça fait bizarre d'avoir ça qui dépasse. Ok, Dragon B. Boum. Ok. Je vais changer le bloc déjà. Ah, les blocs où t'as pas les tools. Il aurait pu mettre des shears là. Ça aurait été bien. C'est non ça. F7, ouais, besoin de torche là. Et pareil de l'autre côté, comme ça on est tranquille. Je me demande, je pense qu'on va vraiment commencer à poser ce qu'il nous faut pour Draconic Evolution. Parce qu'il nous reste à peu près une heure devant nous. Donc on a largement le temps. On a largement le temps. Je pense qu'on va faire ça. Allez, éloignons-nous de ça. Ici. Je vais laisser ça là. Draconic Evolution, je vais le mettre encore au-dessus, je pense. Ouais, je pense que je vais le mettre encore au-dessus. Allez, zouf. On va mettre Draconic Evolution ici. Alors. Draconique. Il nous faut ceci. Donc ça c'est bon. Il nous faudra ceci après. Il va nous falloir ça. Tu vas prendre... Oh la vache, il me prend rien de ce qu'il faut. Iron block. Voilà, et cobble. J'allais dire, j'ai pas de cobble sous moi. Voilà. Ah, c'est pas de la cobble que tu veux, c'est de la stone. Stone, on a ce qu'il faut aussi. Hein. Voilà. Stone. Le fusion crafting core, on va l'auto-crafter aussi. Parce qu'on va peut-être en faire plusieurs pour automatiser certaines choses. Je ne sais pas encore. On verra. Et c'est tout, je crois bien, pour le moment. Ok. Donc on va se mettre là. Draconique. On va avoir besoin du fusion crafting core. Et on va avoir des basiques. Enfin, on va avoir besoin des basiques. Les basiques, je vais t'en demander 18.
ça va. Alors par contre, tu me fais pas les quêtes parce que t'as besoin d'un stack de draconium, non? T'as besoin du draconic core. Ah bah oui. Un petit stack. Allez hop, zou. Parfait. D'ailleurs, on pourra bientôt se faire l'advancée dislocator et là ça va être beau. On pourra se téléporter où on veut quand on veut. Alors, j'ai oublié de enlever ça. Voilà. Donc, on met ça. Lui, il va avoir besoin de cela. Et je crois qu'il a besoin de deux blocs maintenant, hein, et plus de un bloc. On est en stack mode, on va mettre single item. On est en single item. Salut Alnorel. Donc on remet du single item. Voilà. On pourra en mettre un deuxième là aussi après si on veut. Alors pour l'énergie. Pour l'énergie, ce qui va être... chiant. C'est de les connecter derrière. Je vais peut-être utiliser Xnet pour cacher les câbles. Ouais. Et les façades. Par la suite, on pourra avoir un... Alors tu me diras, est-ce qu'on peut le faire maintenant, ça? C'est vrai qu'on a la boule de stockage énergie de Draconic Evolution. Je pense pas qu'on la fasse, la boule de stockage. On est très bien avec Mechanism. On n'aura pas besoin de la faire, la boule. Mais je suis en train de me dire que je pourrais déplacer l'énergie comme ça aussi. Ouais, faut que je lui apprenne ça. Je vais regarder si je peux m'occuper de ça comme ça. Je sais pas c'est quoi la range. Donc, ça, go. On va... faire ça. De toute façon, eux, faudra les upgrade après, ouais. C'est comme ça qu'on va les upgrade après. Du coup, avec ça. Mais du coup, il nous faudrait cela. Je me vois pas faire 18 entanglés de blocs actuellement. Les entanglés de blocs c'est bien, mais faut pas non plus en mettre un milliard. Là j'ai quand même 18 blocs à connecter. Et je vais avoir besoin de celui-là. Alors. On va se mettre là. Je me demande si je peux le mettre sur un point. On va regarder si je peux mettre ça sur un point. Ce serait parfait. Draconic. On veut ça. Alors, est-ce que ça se connecte sur un point? Dis-moi oui. Ah, ça se connecte. C'est beau. Donc on va utiliser ça pour alimenter ça. Comme ça on va utiliser Draconic Evolution. Puis peut-être que je vais vous apprendre des trucs, j'en sais rien. Donc on va prendre le Binder. Donc finalement pas de Xnet. Hein. Xnet peut-être qu'on s'en servira pour automatiser les crafts. Mais pour l'instant on va les faire manuellement les crafts, ça ira bien. Donc on a celui-là, Draconic, on a les wireless énergie cristal et on a les relais. Donc les relais, je sais pas combien je peux connecter avec ça. Je vais voir, parce que là j'ai deux links de dispo avec le basique. Alors si je t'en demande 18 de ça, j'ai combien de links de dispo avec lui? 16? Bon c'est bon en fait. C'est bon en fait.
Non, je... Ah, c'est nos toulons. Ok. Donc ça, on va les mettre derrière. Ok, et enfin, relais. Faut juste espérer que le relais a beaucoup de connexions. 8. Ah. Il y a 8 connexions le relais, c'est chiant. Si le relais a 8 connexions, bah je vais faire ça en fait. Je vais enlever celui du milieu. Ah. Ouais, si, je vais enlever celui du milieu. Tu lèves café. Non, ça existe depuis la 1.12 ces blocs là. De Draco. Relais, j'aurais pas dû enlever le bloc derrière, j'aurais dû mettre mon relais avant, c'est pas grave. Voilà. Donc Crystal Binder. J'ai clic droit pour le sélectionner et on va le coller là-dessus. Et on va le coller là-dessus. Donc là on envoie de l'énergie, hein. On a des lasers. Lui il est en train de se remplir d'énergie, il est déjà full. Et enfin lui, il a 8 connexions, donc on va connecter les connexions là. Connexion limite. Ah, le fait qu'il soit connecté de là-bas, ça... Ah, ça compte pour une connexion, d'accord. Oh. Ouais, ça compte pour une connexion. Ok, bon bah tant pis. C'est pas très grave. De toute façon, les tiers du dessus ont plus de connexions. On enlève ça, pas besoin. Je vais enlever ça d'ailleurs aussi, voilà. Et donc là maintenant, ce qu'on va pouvoir faire... Ok, je mange ça. On va se connecter sur lui, et lui il a 16 connexions disponibles. Et on va le connecter là, là. On va le connecter sur tout cela. Et on va faire la même chose avec les autres. Ça va faire des lasers rouges partout. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que lui, il a 4 millions d'énergie. Lui, il a 4 millions d'énergie. Il va pouvoir en envoyer sur les 9. Basic Fusion Crafting Injector. Et si je casse le bloc et que je mets le nouveau bloc, par exemple le Wyvern, il se connectera sur le Wyvern automatiquement. Parce qu'en fait, il est connecté sur ce bloc-là. Et ce qui va être bien, c'est que les 8 derrière vont envoyer de l'énergie en même temps sur les 9. Donc ça va charger assez vite. Et là, en plus, on est sur des tiers basiques. Donc ça ira vite, mais pas non plus super vite. Et quand on aura les tiers d'Awakened, bah alors là, ce sera quasiment de l'instantané pour charger ça. Ok. Prendre lui. Et enfin lui. Parfait, et du coup, on fait la même là. D'ailleurs, tous les lasers qu'on voit actuellement, hein, quand on n'a pas le binder sur nous, on les voit plus les lasers. Hein. Bah, le chaotique, il n'y en a pas malheureusement. On a que jusqu'au tiers avec Ned. Mais le tiers avec Ned est déjà bien pété. Hein. Et il y a une chose qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est sur ce point, c'est... disable limit pour qu'il envoie le maximum d'énergie. Hein. Faut y penser. Donc lui il est pas connecté, faut que j'enlève. Voilà, c'est connecté, tout est connecté en énergie, maintenant on peut crafter. Donc, déjà il nous faut une cloque.
Il faut une cloque. On a plusieurs types de cloques parce qu'en fait, lui, il aura un bouton où on pourra cliquer sur crafter. Mais si on lui envoie un signal redstone, il fonctionne. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est l'ore glace de Botania parce qu'il est sympa. Et j'ai pas de mana glace. Fuck. On va devoir faire du mana glace. Si je me trompe pas, la nouvelle mise à jour de Draconic ne génère plus les Chaos Island et donc pas les Chaos Guardians. J'ai testé, ça marche dans la version précédente. De quoi ? De quelle version précédente tu parles ? Bref, ton magnet. Bah, s'il y a un bug avec les Chaos Island, il faut le report à Draconic Evolution parce que j'ai pas touché à Draconic Evolution. Et on verra bien, là actuellement je suis sur la dernière version, on regardera si je peux trouver une île ou non. Hop. Et donc en gros, l'or glace, à chaque fois qu'il va pivoter, il va envoyer un signal de redstone. Et du coup, il va recevoir la redstone lui, et puis les crafts vont pouvoir se faire. Hein. Je trouve ça sympa. Alors. Il faut qu'on fasse les Wyvern Core. Les Wyvern Core, je peux les faire direct, hein. Voilà. Et là, on va devoir faire les Wyvern Fusion Crafting Injector. Il m'en faut 10 et il m'en donne 2. On va prendre les deux qu'on a là pour les transformer. Donc, je vais faire les 18 directement. La meilleure source de RF au début de Ragnar Mode 6. Il y en a plein en fait. T'as Mechanism qui te permet d'avoir de l'énergie. Tu as Industrial Foregoing qui te permet d'avoir de l'énergie. Faut regarder. Oui, t'as le Honey Generator aussi qui te permet d'avoir de l'énergie. On va prendre un stack de ça. Wyvern, je vais t'en demander. Tiens, faisant 20, on est tranquille. Et je vais avoir besoin de Draconic, Draconium. Ok, je vais pas avoir assez de Draconium pour le moment. Damn! Ouais, Draconium c'est compliqué pour l'instant. Faudra attendre que ça génère un peu plus. Ou alors je balance tout de suite ma centrifuge et je balance mes abeilles. Ça peut être une idée aussi pour avoir du Draconium plus rapidement. On va mettre l'abeille tout de suite. Centrifuge. Bon, on va poser celle-là. Hein. Quark. Petite torche là-haut. Ok, on va avoir besoin de modular storage. Avec stack speed, sender, puller. Ok. Donc on va pull de là. Je pense qu'on va le mettre... Ah oui, alors s'il te plaît, calme-toi. On va le mettre là, le modular storage. Ok. Tiens, comme ça il est caché. Speed, stack. Donc le puller, on l'a pris. Il prendra tous les items. Ok, de là-dedans, et Sender, il va l'envoyer là-dedans.
Alors, il n'y a rien là-dessus. Non, c'est bon. Pas besoin de mettre de filtre. Parce qu'on va avoir qu'une seule centrifuge qui va tourner. Et là, je peux d'ores et déjà mettre mon abeille. Hein. Il faudrait juste que je lui donne de l'énergie, lui. Que je récupère le honey, etc., etc. Tiens. Produis-moi du... Draconium. Alors. Un point. Pour l'énergie. Le tank. Avec du yellow. Ender chest. Le rouge il est très bien. Pipes. Tac, 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 tac. Et c'est good. Donc, item. Fluide. Énergie. Pour l'instant, je remets la torche là. Et là, il me fait mon draconium. Ok. J'ai plus qu'à mettre un drawer pour le draconium et on est bien. Non, pas de que t'as une bottle sur la cloche, ça sert à rien. On a l'abeille, donc c'est très bien. Le lingot. Bah, le lingot, il va aller là. Hop, boum, et boum. Parfait. Donc là, on va avoir tout le draconium qu'on veut maintenant. Donc on est parti pour crafter ça. Donc il va nous falloir ça. Je vais mettre le craft de côté. Il nous faudra des blocs de draconium aussi. Tiens, on a déjà 16 blocs. C'est beau. Il nous faudra 2 draconium et 1 wyvern. Ok. Et du coup 4 diamants. Donc voilà, il est en train de charger. Ça charge vite, il met les items autour et il craft. Avec le petit son électrique derrière. Hmm. Done. On en profite. On enlève ça. On met ça. Et on recommence. Ah. Single item. Ça m'avait manqué ce petit bruit de Draconic Evolution, hein. Ça m'avait manqué. On voit toutes les particules, là. C'est joli, hein. Ok. Et tiens, les deux autres. Plus tard, Al-Norel. Okidoki. Non. Single item. Alors, je pourrais laisser le stack mode pour envoyer directement un stack là-dedans et être tranquille plutôt que d'éviter de... Enfin, pour éviter de remettre les blocs à chaque fois, mais vu que là on est en train de changer ça, si vous voulez, bah je le mets en single item, ça me va bien aussi. Ça, en faisant une dizaine, voilà. Puis on a notre temps, on n'est pas pressé.
profite. Vous voyez comment ça fonctionne l'énergie, hein. Lui, il envoie de l'énergie avec son laser, lui, et lui, il le renvoie là-dedans, qui, eux, les renvoie ici. Et ça va plutôt assez vite pour charger. Et au moins, on utilise pleinement Draconic Evolution. Et ça, c'est cool. Donc lui, il voulait qu'on en fasse 10, hein. Il en vaut 10 dans notre inventaire. Ok. Ça va le faire. Un claim. Hop, hop. Ok. Du coup, je regarde Draconic Evolution. Il en faut combien max ? Oups. Pour avoir les Chaotic Core, il va nous en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 minimum là-dessus. Là, c'est 10. Ah, là, c'est 14. Donc il en faut 14 au max pour le moment. Je crois que ça va être 14 le max, hein. Ouais, c'est 14 le max. Donc si c'est 14 le max, on n'est pas obligé de s'embêter à mettre les 18 comme on a fait là. On pourrait juste en garder 14. Mais dans ce cas là, ça me demanderait de reconfigurer tous ces trucs là. Mais de toute façon, ça changera après, donc on les reconfigurera correctement après. Ok, prends ça, tiens. Mais du coup, ouais, on va en faire 14. Un de trop. D'ailleurs. 400, c'est beau. Ouais, le sablier qu'on a au-dessus, c'est pour envoyer un signal redstone. Je trouve ça plus classe que d'avoir un bloc, le bloc de cyclique qui marche très bien, hein, mais je trouve ça plus classe. Donc là, on est sur 8. On va faire le 9e là. 10, 11, 12, 13, 14. Avec le craft qu'on va faire là, on va pouvoir avoir les 10. Donc on pourra les récupérer pour valider la quête. Et la quête va nous en redonner 2, je crois. Ouais. Donc on aura juste à en recrafter 2, finalement. Ok. Donc ça, c'est bon. Hop, single, single, partout. Très bien. Donc là, on en a 10, 11, 12, 13, 14. Et là, je vais... Ouais, non, je vais laisser en single. J'allais dire, je vais mettre en stack, mais non. Cours. Tu pourras en faire que 12 avec la récompense de quête. J'ai pas compris. Content save, mais y'a rien dedans. Ah, c'est parce que j'ai dû le placer dans le monde déjà. Ah, c'est ce stack, c'est bon. Ah, donc si on en garde 7 de chaque côté, on va faire. On peut faire un H.
On peut faire deux haches de chaque côté. On va faire des haches de chaque côté. Seul truc, c'est qu'il va falloir que je les... Alors avant de les retirer, je vais les upgrade. Je pourrais directement avoir ceux-là en fait. Hein. Ouais. J'aurais pu passer directement au Wyvern. Et pour lui, il faut passer au tir draconique. Donc c'est pas pour tout de suite. Ok, le dernier. Mais... Ok. Ok, je viens de comprendre. Très bien, donc on va enlever ça parce qu'au final on s'en servira pas. Et je vais enlever tout ce que j'ai fait là en fait. Nos tools. Et on va passer au tir supérieur. Ça marche pas le Venmine? Pour ma pioche alors? Ah si, ça marche. J'ai eu peur. Yep. C'est pareil, on enlève ça. Et on va directement connecter ça pour que ça fasse des haches. Et en plus, on pourra en connecter plus, donc ça c'est bien. Ok, très bien. On stocke, on va directement crafter. Enfin, lui apprendre. Les tirs du dessus. Donc lui. Lui. Et lui. Nice. Ça, y a plus besoin. Draconique, on va avoir besoin d'un relais. Enfin, d'un input-output. Relais, on va en avoir besoin de 2. Et enfin, ça, on va en avoir besoin de 14. Voilà. Et donc, le H, on va le faire comme ça. Là, il m'indique sur quoi il était bindé de base, hein, mais il n'y a rien. Nice. Donc, single, de partout. Eux, c'est pareil, je crois qu'ils sont déjà tous single. Très bien. Relais. Donc, lui, il a combien de connexions? 32 et lui, 16. Ah, c'est bien. Et l'autre, après, il en aura 64. Mais là, en termes de connexion, on va faire la même. On va garder ceux derrière pour ceux-là et ceux derrière pour ceux-là. On pourrait faire en sorte de connecter ceux-là à eux et à eux en même temps pour aller un peu plus vite. Mais ça nous ferait des lasers qui partiraient dans tous les sens. Ce serait pas très beau, quoi. Alors, ça, tu te connectes là. Et là, toi, tu te connectes sur ceux-là. Ok, et enfin toi, bah tu vas pouvoir envoyer de l'énergie partout. Ouais, il y a un gros buffer d'énergie, ouais. Et ça exporte plus d'énergie que les basiques, forcément. Donc ça ira encore plus vite. Et il faut savoir que les... Fusion Crafting Injector, plus le tiers est élevé, plus il va vite pour crafter. Il n'ira pas plus vite pour récupérer de l'énergie, quoique peut-être qu'il va plus vite pour récupérer de l'énergie. Mais il va plus vite pour crafter, je crois.
ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on sera au tir chaotique, bon, tu seras plutôt pété, quoi. Celui-là, je l'ai pas connecté encore. Et enfin, lui. Ok, c'est bon. Tout est cool. Ça, y a plus besoin. Donc maintenant, les Wakened bloquent. On va pouvoir se le faire. Et du coup, on va pouvoir mettre notre abeille des Wakened. Et faire l'autre graine, d'ailleurs. Comme ça, on fera la quête en même temps. Il va nous falloir 6 Draconium Core. Donc Core, il va m'en falloir 6. Let's go. Un cœur. Et Draconium Block 2. Ok, donc on met ça là. Et c'est parti. Et du coup, le laser, il est violet maintenant. Non, je l'ai pas raté, c'est juste que le laser était droit et on le voyait pas. Awakening Draconium Block. C'est validé, on va pouvoir faire nos lingots. Ok, c'est validé. On va mettre notre bloc là-bas avec l'abeille. Tiens, tu vas pouvoir me faire de l'Awakened. D'ailleurs, chose que j'ai pas fait, c'est valider la quête en fait. Voilà, et manger un honeycombe de ce truc là. Faudrait que j'en mange un. On va attendre que lui, il produise des honeycombes. On va les récupérer pour valider la quête. Zbu. Ça va être là-haut. Là. L'abeille est jolie, ouais. C'est validé. Et maintenant, la dernière abeille qu'il nous faudra faire, ce sera la chaotique. Alors, on verra plus tard ce que la chaotique, on a encore un peu de taf. Il faudrait que je revalide ces quêtes là-haut parce que pour X raisons, elles se sont dévalidées. Et ensuite, on aura les centrifuges à faire, plus que ces deux quêtes-là à faire. Non, je crois même qu'il y en a une troisième, ouais, celle-ci aussi. Le honey générateur. D'ailleurs, celui-là, je dois l'avoir. Non. Je ne l'ai plus. Oh, c'est pas grave. Alors, allons stocker les Wakened. On va te mettre là. Et on va en profiter, comme je disais, pour faire la graine en même temps. Plus le crux. Puis vu que c'est des quêtes qu'il faudra faire quoi qu'il arrive. Donc autant le faire maintenant. Hop. Raté. Réussi. Donc on fait nos 4 lingots. Insenium 1. Et enfin le crux. Faut refaire 3 blocs. Crux. Voilà. Donc la quête pour cette graine là est validée. On va pouvoir mettre la graine dans une garden cloche. Tiens, celle-ci elle est pas utilisée. Go. Et ça va me produire le matos. On met ça ici et pareil, même topo, drawer, infini, void. Impec.
Alors maintenant qu'on a de l'Awakened, on va pouvoir, si on veut, upgrade ça. Pour aller justement au grade draconique Fusion Crafting Ejector. Donc on va y aller. Et de toute façon, c'est la suite logique des quêtes. Hein. Non, Draconic Core, il faut quand même faire ça d'abord. Ah, et le Draconic Core, je crois que ça se fait dans la machine. Ouais, ça se fait là-dedans. Ça, on pourrait l'automatiser. On pourrait l'automatiser. Alors, est-ce que je veux l'automatiser là-dedans? Ou est-ce que j'en fais un autre là pour l'automatiser? Parce qu'au final de ça... Je vais regarder exactement qu'est-ce qu'il faudrait qu'on automatise. Ça, c'est sûr, faut qu'on l'automatise. Parce que c'est chiant à faire. Le Chaotic Core, il y a des chances qu'on lui demande de l'automatiser aussi. Ouais, il y a des chances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'après, les autres, on va devoir faire à la mano. Ça pose pas de problème de le faire à la mano. Ça, on le fera à la mano. Bloc, il n'y a plus besoin de les faire. Ouais, non. Et que ces deux trucs-là qu'on va devoir automatiser. Donc, ces deux trucs-là, on les automatisera là et là. Le petit freeze des familles, on aime bien, voilà. Et je pourrais en mettre un autre ici au milieu. Ou alors en mettre un là, parce que ici, je ne vais pas pouvoir, étant donné qu'on a notre élévateur. Mais je pourrais en mettre un autre là. Donc on verra. En quel sens on va le faire? Est-ce que lui on l'automatise tout de suite? Là-dedans du coup. Ou est-ce qu'on upgrade d'abord en draconique? Non, on va l'automatiser en premier. On va l'automatiser en premier, comme ça on se prendra pas la tête. Alors là par contre je vais être obligé d'utiliser les entanglés de blocs. Oh, quoique. Non, je suis pas obligé d'utiliser les entanglés de blocs, je dis des bêtises. Xnet. Of course, Xnet. Xnet. Ça, ça va là. Et ça, t'auras besoin de ça. Donc ça va être deux setups totalement différents. Hein. Donc il faut que j'ai deux Xnet différents. Ou alors... deux chests différents. Ouais, il y aura deux crafters différents. Je peux garder un Xnet. Et ce Xnet là, je vais le mettre là. Comme ceci. Non, c'est moche. Comme cela. Est-ce que je le mets là ou pas? Je sais pas si je le mets là. J'hésite à déplacer ça là-haut en fait. Est-ce que je le mets là-haut celui-là? Si je le mets là-haut, il ne nous gênera plus pour ça. Il faudra quand même l'alimenter lui quoi qu'il arrive. Lui, de toute façon, en plus j'y pense. Eh hé. Eh hé. On n'est même pas obligé de s'embêter pour l'alimenter. On va déplacer ça. Allez. Voilà. Donc on va se mettre là. Ça. Ça. Et donc lui, on va le reconnecter là. Et là. Et du coup... là-dessus. Alors, is not a valid device. Ok. Donc si je prends lui, je peux le connecter là. Voilà. Pour la symétrie, on connecte là. Ok. Donc lui va recevoir de l'énergie grâce à ça. Parce que oui, ça, ceux-là, là, ils sont pas faits que pour Draconic Evolution. Vous pouvez vous en servir pour toutes vos machines. Donc on est plus obligé, en fin de compte, si on veut avoir des points. Seul inconvénient, c'est que dès qu'on va utiliser de l'énergie, bah forcément, il va y avoir des lasers. Donc lui, vu qu'il va tout le temps fonctionner, on aura tout le temps un tout petit rayon laser qui partira là-dessus. C'est pas trop dérangeant, mais faut prendre ça en compte quand même. Hein.
Crafter, on va en demander deux parce qu'on aura deux crafts différents. Allez, allez, voilà. Du speed. Ok, on va avoir besoin d'interface aussi pour récupérer les items qu'on va crafter. Ok. On va utiliser deux entanglades pour connecter ceux-là en fin de compte. Donc il y aura lui qui sera connecté, il y aura l'autre qui sera plus loin derrière qu'on va connecter. Ça nous évite d'avoir un câble ici qui dépasse et que ça soit moche. Par contre on aura du câble derrière, ça c'est sûr. Et je vais mettre façade justement. Donc on va copier ça. On casse. J'ai trop cassé. Et je colle ça là. Ok, toi, façade. Câble. On cache. Je reprends la façade. Voilà. Très bien. Et ensuite, j'ai juste à prendre ceux-là. J'ai peur que ça fasse une mauvaise connexion, là. Allô ? Ah. Donc, il s'affiche pas du tout, en fait. Eh ben, on va prendre du polychet deep slate à la place. On va prendre des blocs ici, tant pis. Hein. Voilà, comme ça je suis sûr que ça façade le tout. Donc là, eux sont connectés. Faut que je connecte la même chose de l'autre côté. C'est moi, il y a un trou là. Pourquoi il y a un trou là? Ça va pas cette histoire. Voilà. Il y a un trou de l'autre côté? Non. Donc on enlève ces deux là. On pose et on fait les façades en bloc. On prend le façade de lui. Façade d'escalier. Pareil pour lui. Et pareil pour lui. Et c'est les 4 ans. Madame de cœur, ça fait un sacré moment. Comment va? Merci Zoro. 4 ans. Fou. Ça fait long. Bah écoute, ça va et toi? Hop, je vais plus avoir besoin de ça. Merci en tout cas pour les 4 ans. Donc là, on va récupérer le câble ici. Et on va le connecter là. On va faire comme ça pour le câblage. Donc le connecteur ici. Très bien, on va tout de suite mettre des façades. Il va nous manquer des connecteurs, hein. On n'a pas fini là. Voilà. Donc au moins on a tout ça de connecté maintenant si on veut. Pour les items. Il faut qu'on mette les crafters. Et l'interface. Pour les crafters, je vais avoir besoin de... Je vais mettre des barrels. Ok. On peut les mettre là d'ailleurs. Barrel ici. Avec les... Les crafters comme ça. Trop occupé en ce moment. Ah.
XNet se comporte comme Refine Storage avec les Entangled. Ah, aucune idée pour le coup. J'ai jamais essayé. C'est possible. Attends, on va regarder si ça marche. Je suis curieux maintenant. Voilà, tout enlevé. Il n'y a plus rien qui est connecté maintenant. Si je prends ça et que je mets ça là, comme ça, et que je connecte le câble, il se connecte pas à lui. Non, il se connecte pas à lui. Maintenant, est-ce que... Ouais, c'est un autre truc. Est-ce que si j'entangled celui-là... Non, c'est bien ça qu'il faudrait que j'entangled. Que je fais ça. Donc là, c'est mon connecteur. Ça se connecte pas. Donc non. Entangled, ça marche pas avec XNet. Connecteur ici, non pas connecteur là. Yup. Connecteur là plutôt. Comme ça on a les deux connectés. Ah quoique non, parce que j'aimerais les renommer. Et là en fin de compte, même si on a les deux connexions, si je le renomme, c'est ce bloc là que je renomme, c'est pas les deux connexions. Donc là je vais renommer, on va l'appeler... Eh ouais, que Ned Core, c'est comme ça qu'il s'appelle? Non, Draconic Core, j'ai tout faux. Draconic Core. Et lui, on va l'appeler Chaotic Core. Très bien. Et il faut qu'on mette l'interface. Interface qui doit être connectée à eux, là, au moins. Comment on fait ça? Deep Slate Tile, Deep Slate Stair, on verra le câble en dessous, c'est moche. Parce que faut que ce soit connecté à Refine Storage. Hein. Oh, vous savez quoi? Il y a deux connecteurs, ça sert à rien d'en avoir deux. Hein. Juste un, c'est suffisant. Mais c'est là. Stack. Merci Fractal le Chacal pour les 100 bits. Merci à toi. Ok, on est good. Flemme de remonter et descendre à chaque fois, donc on va juste en crafter 3. Voilà. Alors tu me diras, j'étais pas obligé d'en crafter 3, j'aurais pu poser mes 3 là. Faire ça, 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 ça. Et du coup, récupérer ces 3 là, ça aurait été plus rapide. Et ça on va les connecter à Refine Storage. Le PC il a 24 Go de RAM. Et on va mettre ça ici. C'est connecté. Donc dans les autocrafts, lui égale ça. Donc je vais te refaire ça proprement parce que je crois pas que t'es tout pris. 6, 4, 4, 4, 4, 1. Si c'est bon. Hop. Craft est ok. Donc lui c'était le draconique, hein, oui. Donc on met le craft ici.
On n'a encore fait aucun filtre ici, mais je vais quand même lui demander un craft. Comme ça, il va me mettre tous les items là-dedans. Je vais pouvoir les récupérer et faire le nécessaire après. Donc là, on récupère tout. Et on va lui demander un item. Boum. Lui, c'est le Draconic Core. Exportation. Single. Par contre... ouais, il y aura un autre câble d'Xnet qui va parcourir là-bas pour se connecter à un autre réseau de crafting injector. Hein. On verra après ça. Là, je vais devoir lui dire... Donc, insertion de lui. Ok. Tac, tac, tac. Au sud, on va lui dire de mettre ça. Tac, tac, tac. Donc là, on en a bien 4. Et oui, j'ai oublié de connecter celui-là aussi. On y retourne. Donc, il faut qu'on sélectionne lui. Et qu'on le connecte là. On va voir les câbles. Il va se mettre là, lui. Au final. Puisqu'on aura un autre là, après. Alors je crois... Normalement, il est censé être connecté. Ah, il est là. Draconic Core, c'est bien. Donc là, insertion... Star. Ensuite, un autre item qui va lui demander d'extraire pour l'insérer là. Et en théorie, si je te donne ça, tu craftes. Oh, c'est beau. Il craft. On va attendre. Une fois que le craft sera fait, normalement, j'aurai le Draconium. Enfin, le Draconic Core dans Refined Storage. Absolument. Validé. Donc on a automatisé le Draconic Core maintenant. Tiens, mange ça. Nice. Impeccable. Par contre, j'ai pu voir que l'exportation... Ouais, ça se faisait en single, mais tous les 5 ticks... on peut pas enlever les stacks. On garde tout en single mode, ça ira bien. Mais en gros, si je te demande 10, bah il va pouvoir me faire les 10 en fait. Il me le fait tranquillement. Il m'envoie les 10 Nether Star là. Mais au niveau des items, il en mettra pas plus. Hein. Et donc là, on arrive, on se pose là. Petit screenshot pour la miniature qui cette fois-ci, j'espère que je me failerai pas parce que je me suis fail... sur la miniature de la rediff d'aujourd'hui. Je l'ai fixé d'ailleurs la miniature depuis, hein, mais j'avais mis la miniature du 40 au lieu du 41. Mais voilà. Draconic Evolution automatisé. Pour automatiser le Chaotic Core, ce sera exactement le même principe, mais du coup sur un autre set de Crafting Fusion Injector. On le mettra probablement là. Et on en aura un au milieu pour faire nos crafts manuels. Et ça ira bien, ce sera clean. Du coup, sur les tic 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 tic, on va s'arrêter là. Je suis content, on a bien avancé. On a fait plein de choses. On a enfin commencé Draconic. Demain soir, nous serons sur Feed the Patrick. On sera pas sur Agdamod. Enfin, techniquement, si, on sera sur Agdamod, mais pas sur mon serveur. On sera sur Feed the Patrick avec les copains. Encore une fois, normalement, si tout va bien. Parce qu'on ne sait jamais, hein. Et vendredi soir, on continuera Agdamod. Voilà, donc pour ceux qui veulent voir la suite de cette série, ce sera vendredi soir. Sinon, demain, Feed the Patrick. Donc je vous laisse là, merci d'avoir regardé le stream. Une bonne soirée, une bonne nuit. Et à demain. Bye bye.